Ça marche. Chers amis, il me revient le plaisir et l'honneur comme directeur général de cette maison de vous accueillir pour les ateliers de la refondation de la Fédération de Paris. Après un premier semestre douloureux, pour notre famille politique, certes, mais aussi pour le pays, pour l'idée que l'on peut se faire du débat public, puisqu'il n'y a pas eu de débat public lors de l'élection présidentielle, après cette période éprouvante est venu pour nous le temps de la refondation. Cette opération s'opérera en deux étapes. La première est celle du débat à travers les ateliers de la refondation, dont les conclusions vous seront présentées à la fin du mois. Face à un Emmanuel Macron qui a repensé la social-démocratie, il est crucial de refonder la droite. Un gros travail sous l'autorité de Bernard Accoyer a été entrepris en ce sens. Il vous sera présenté dans un instant par Nelly Garnier, dont je salue le travail remarquable à la direction des études de cette maison. Je vous demande de l'applaudir parce que, outre que c'est une militante parisienne, lève-toi Nelly, outre que c'est une militante parisienne, accessoirement dans le 4e arrondissement de Paris, qui est un excellent arrondissement militant comme chacun sait, elle a fait avec son équipe, avec de nombreux intellectuels, avec de nombreux experts, un travail remarquable qui sera crucial pour l'avenir de notre maison et qu'elle vous présentera dans un instant. Quant à la seconde étape de la refondation, elle sera démocratique avec l'élection du futur président ou de la future présidente les 10 et 17 décembre prochains. Je vous invite à y prendre toute votre place. Je vous invite à faire dès maintenant le parrainage nécessaire pour le candidat que vous souhaitez. Parrainez qui vous voulez, mais parrainez un candidat. Il en va de l'idée que l'on se fait du pluralisme au sein de notre famille politique. Il en va de la vitalité de notre famille politique, de la vitalité démocratique. Et il en va de la légitimité qu'il sera ainsi donné à celui ou à celle qui sera élu président ou présidente de notre mouvement. De même, après avoir parrainé, il sera important de se mobiliser pour la participation, pour qu'elle soit le plus élevée possible les 10 et 17 décembre prochains. Il en est de même que pour les parrainages. Plus la participation sera élevée, plus cela montrera la santé, la vitalité démocratique de notre famille politique et plus la légitimité de celui ou celle qui sera élu en sera renforcée. Chers amis, un parlementaire, pourtant élu avec notre soutien, a dit récemment que nous étions un astre mort. À ce parlementaire, comme à ceux qui rêvent de nous voir disparaître pour n'avoir qu'à débattre avec les extrêmes, répondons-lui, répondons-leur, qu'ils prennent leurs désirs pour des réalités. Un parti qui fait 20% malgré la débâcle n'est pas un astre mort. Un parti qui structure depuis plus de 50 ans la vie politique française n'est pas un astre mort. Nelly reviendra dans un instant, mais un parti où plus de 40 000 militants répondent à un questionnaire sur la refondation n'est pas un astre mort. Un parti qui remporte les élections sénatoriales, preuve de son ancrage local sur tout le territoire national, n'est pas un astre mort. Ne leur en déplaise, nous sommes bien vivants. Certes, nous avons connu, je le disais tout à l'heure, un moment difficile. Mais chers amis, la politique, c'est comme l'histoire. Pour paraphraser Brodel, elle est cyclique. Le cycle que nous avons vécu se termine, un autre s'ouvre. Et ça doit être un cycle de mobilisation, de refondation et d'espérance en l'avenir. Nous sommes bien vivants et nous le sommes aussi à Paris. À ce sujet, comme simple militant parisien, mais aussi élu, je voudrais partager avec vous trois convictions. La première, c'est qu'en 2020, voire 2021, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que les astres ne seront pas obligatoirement favorables à Madame Hidalgo. Pour trois raisons. Première conviction,
son sectarisme, chers amis, je pense que son sectarisme va finir par se voir. Et que nombreux Parisiens qui ont voté pour elle à la dernière élection n'auront sans doute pas envie de revoter pour elle à la prochaine. La deuxième conviction, c'est que vous savez, le plus beau des slogans en politique, c'est « 20 ans, ça suffit ». Et cela fera 20 ans en 2020, voire mieux si c'est en 2021, puisqu'il y a l'hypothèse de travail au cœur du pouvoir que l'élection municipale soit reportée d'un an. En 2021, ils seront là depuis 20 ans, et je peux vous assurer, et toute l'histoire politique de ce pays le prouve, au bout de 20 ans, c'est quand même extrêmement délicat de rester au pouvoir pour une équipe municipale. La troisième conviction, c'est que la situation des finances de la ville sera catastrophique en 2020 ou 2021. Le débat sur ce sujet n'a pas eu lieu en 2014, il sera central en 2020. Pour toutes ces raisons, je suis persuadé que nous pouvons préparer l'alternance en 2020 ou 2021 et que nous pouvons remporter les élections municipales. La deuxième conviction que je voudrais partager avec vous, c'est celle du respect. Si nous ne sommes pas respectueux entre nous, comment voulez-vous que les électeurs nous respectent ? Moi, je crois qu'il doit y avoir un effort considérable dans ce domaine. On doit se respecter, on doit respecter les différences entre nous, on doit respecter des différences de conviction sur des sujets, notamment les sujets sociétaux. Mais je pense que si on se met tous dans une logique, nous les élus, à dire par exemple à une journaliste du Parisien dont la spécialité c'est d'appeler tous les mois 10 personnes pour espérer que tout le monde dit du mal de tout le monde pour faire un papier sur le sujet. Si on commence à dire tous du bien de tout le monde, eh bien, vous verrez, ça changera considérablement l'image que nous aurons dans l'opinion. La troisième conviction, c'est que nous avons collectivement le devoir de faire décoller une fusée à 3 étages. Le premier étage de cette fusée, c'est le projet. Il ne peut pas y avoir de victoire politique sans domination intellectuelle. Nous devons à ce sujet surprendre. Nous devons être là où on ne nous attend pas. Nous devons réagir sur des sujets comme l'éducation. Il y a beaucoup à dire à Paris. Je pense par exemple à l'aménagement des rythmes scolaires qui coûte beaucoup d'argent et qui ne sert strictement à rien. Je pense à des problèmes sanitaires. Moi, comme d'autres, cher Philippe, j'ai sensibilisé la majorité municipale au problème des rats dans Paris depuis 3 ans. On voit le résultat aujourd'hui. Sur beaucoup de sujets, nous pouvons interpeller les Parisiens, nous pouvons préparer un projet, c'est notre devoir. Le deuxième étage de la fusée, c'est de préparer les équipes dans les arrondissements. Certains, on ne dira pas lesquels, cher Philippe, mais certains, nous le savons très bien, sont en jachère. Il est de notre devoir de préparer des équipes dans ces arrondissements de reconquête et il faut s'y mettre dès maintenant et ne pas attendre 6 mois avant les municipales parce que là, nous sommes certains d'aller à l'échec si nous ne nous y préparons pas. Et le dernier étage de la fusée, je le dis comme je le pense, histoire de lancer le débat entre nous ce matin, si nous n'avons pas à l'esprit de désigner dans des délais appréciables et au bon moment notre candidat à la mairie de Paris, ce sera très difficile de remporter les élections municipales. Je vous donne ma conviction, si d'ici le début de l'année 2019, nous n'avons pas un chef de file pour mener le combat, les choses n'en seront plus que difficiles. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers amis, chers compagnons. Cette matinée constitue un moment important pour commencer à construire la fusée. Viendra bientôt le temps de la faire décoller. En attendant, je vous souhaite une matinée de débat, des ateliers passionnants et un moment de convivialité. Bonne journée à tous. Et je cède avec amitié et conviction la parole à Philippe Goujon, le président à vie de notre fédération. Président à vie, mais président élu, et grâce à vous, et je vous en remercie encore. Bon, après le long message de bienvenue et passionnant et exaltant, enthousiasmant de notre directeur général. Quelques mots du président aussi, mais ça me permettra d'être plus court. D'abord, pour vous souhaiter aussi la bienvenue, en quelque sorte bienvenue chez vous, bienvenue dans votre maison, puisque vous êtes tous adhérents de notre formation politique, et vous avez bien raison, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire ensemble. Et tu l'as dit, nous avons déjà
la nécessité de reconstruire notre formation politique pour remporter les élections prochaines, que ce soit les européennes. Je salue d'ailleurs le député qui vient d'être là, ainsi que Olivier Berthaud, qui est notre référent européen pour la Fédération de Paris. Et puis ensuite, bien sûr, la grande bataille des municipales que tu as évoquée, mon cher Vincent. Juste donc quelques mots très rapides, parce que nous attendons tous, évidemment, la réflexion qui va s'entamer sur d'abord les droites européennes, avec Dominique Reynier, que je salue et que je demande d'applaudir, puisque c'est à la fois un acteur politique, il a été, puis un analyste évidemment bien connu, et on est tout à fait intéressé par ces analyses, qui seront très importantes, justement, dans le cadre de la refondation, mais aussi parce que je pense que nous devons être concentrés sur deux messages. Le message de rassemblement, le message de confiance. Le message de rassemblement, je ne vais pas décliner ce que Vincent a très bien dit, mais il est absolument indispensable, et je parlais de maison, on pourrait parler de maison commune en évoquant notre formation politique, mais il est indispensable que nous restions tous dans cette maison, quelles que soient nos sensibilités, quelles que soient nos affinités avec les uns et les autres. Nous avons traversé des épreuves dans cette formation politique. Eh bien, nous les avons surmontées parce que nous avons su rester ensemble, tous, unis dans cette formation depuis toujours, depuis la création des partis gaullistes, libéraux, etc. Il y a eu des sensibilités très différentes, des débats internes très forts qui ont amené parfois des conflits très intenses, évidemment. Eh bien, à chaque fois, nous avons surmonté l'épreuve parce que nous sommes restés dans la maison commune, même avec nos idées parfois différentes. Mais comme on le dit, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Donc, si nous voulons reconquérir le pouvoir qui nous a échappé fortuitement, si je peux dire, eh bien, il faut absolument que nous restions ensemble dans cette maison, que le débat démocratique ait lieu dans la perspective de cette étape très importante de la reconstruction et de la reconquête qu'est l'élection de notre président les 10 et 17 décembre prochains, et qu'ensuite, nous foncions sur la route des prochaines victoires électorales qui ne manqueront pas d'intervenir. Vous savez, on sait comment ça se passe, hein. Les pouvoirs qui arrivent tout beau, tout nouveau, et ensuite les choses se dégradent parce qu'il y a la confrontation avec le choc des réalités. Le principal choc de cette réalité, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que nous devons avoir aussi confiance, c'est un peu le deuxième message que je veux passer, confiance en nous-mêmes. Vous devez avoir confiance en vous-même, en vos convictions, en ce que vous croyez, en vos idées, qui ne sont pas celles qui sont appliquées aujourd'hui à la tête du pouvoir, même si on essaie de nous le faire croire avec du bourrage de crâne gouvernemental à longueur de journée. Pas du tout. Je pense que nous sommes tous convaincus ici qu'on ne peut pas tout simplement être de droite et de gauche. Alors, c'est ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron, qui a pu récupérer à droite et à gauche avec un concours de circonstances invraisemblables. Très bien pour lui, tant mieux, avec du talent aussi, il ne faut pas le nier. Mais je pense que c'est ce qui fera aussi sa défaite et son échec. C'est-à-dire que ce qu'il a gagné à droite et à gauche, peu à peu, ça va se désagréger, il va le perdre de droite et de gauche. On le voit bien aujourd'hui. Soi-disant, il mène une politique de droite. Excusez-moi, ce que je vois à la tête du pouvoir, ce n'est pas une politique de droite. C'est une politique technocratique, brutale, qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler un projet pour la France qui correspondrait à nos idées. Eh bien, il perd sur sa gauche. Demain, sur d'autres sujets, il perdra sur sa droite, notamment sur tout le domaine régalien, où il est absolument inexistant. Vous l'avez entendu parler des problèmes d'immigration, d'intégration, de communautarisme. Qu'est-ce qu'il fait sur le plan de la sécurité ? Eh bien, il met un terme à l'état d'urgence au moment même où la menace est la plus forte et la plus imminente. Et le projet de loi qui tend à se substituer à l'état d'urgence est tout à fait en retrait. Il affaiblit notre dispositif de prévention et de lutte contre le terrorisme. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle loi. Bon, voilà, j'ai cité ces deux exemples. On va citer le Code du travail, OK ? Le Code du travail dont on s'esbaudit aujourd'hui dans les milieux bien-pensants, c'est juste une loi El Khomri 2, avec quelques avancées par rapport à la loi El Khomri. Mais ce n'est pas du tout, même pas la révolution copernicienne que présentait le président quand il en parlait. Il y a quelques avancées, très bien, mais ça ne va pas très loin. D'ailleurs, si les syndicats ne se sont pas mobilisés, vous savez, ce n'est pas pour les beaux yeux du président Macron, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, de fondamentalement différent dans cette loi. On n'a pas touché à l'essentiel. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que il faut que nous passions
aux ateliers, à ces deux ateliers qui vont se succéder, très importants, dans des registres évidemment très différents. Mais je voulais dire que justement, ces ateliers de la refondation ont pour objet de faire en sorte que nous incarnions la vraie alternance. Voilà, nous devons incarner la vraie alternance, nous devons nous reconstruire avec une nouvelle équipe, avec un nouveau président, avec un nouveau projet. Et cette nouvelle alternance doit répondre aux attentes des Français. C'est ce que nous attendons du débat de ce matin pour la France, pour l'Europe, avec l'intervention de Dominique Reynier et de Jean Didier, de Philippe Juvin et des autres, d'un député allemand qui doit venir nous rejoindre aussi. Et puis, il est arrivé. Ah, guten Morgen. Das Liebe Deutsche Französische Freundschaft. Voilà, mais je m'arrête là. Voilà, bon, je vais continuer en allemand, donc, à la demande générale. Je vais surtout m'arrêter en vous souhaitant une bonne matinée à toutes et à tous. Bonjour à tous, donc Nelly Garnier, directrice des études des Républicains. J'ai le plaisir d'animer cet atelier de la refondation organisé par la Fédération de Paris, mais comme ceux que nous organisons au niveau national ont aussi lieu dans cette salle, je reconnais beaucoup de visages de gens qui sont venus au précédent. C'est notre 7e atelier qui associe des experts extérieurs au parti, totalement indépendants, et donc ça nous a permis vraiment de mener un très beau travail de réflexion. Comme l'a dit le président de la Fédération, comme l'a dit le directeur général, Bernard Accoyer a voulu, dès le début juillet, lancer une réflexion sur l'état de la droite au sortir de deux défaites qui ont quand même été majeures. La droite, pour la première fois de son histoire, la droite républicaine n'est pas au second tour de l'élection présidentielle, et aux élections législatives, elle se retrouve mise en difficulté dans des bastions qui étaient considérés imperdable. À Paris, nous en savons quelque chose. Alors, on a voulu mener un travail qui soit le plus objectif possible pour répondre à tout ce qu'on commençait à entendre comme interprétation des commentateurs, de nos adversaires. Alors, le clivage gauche-droite est mort, et puis maintenant, c'est le monde des anciens contre le monde des modernes. Et nous, nous étions dans le monde des anciens. On avait entendu une première. Ensuite, on a entendu les LR, c'est pas la bonne droite, parce que les LR, c'est la droite qui se radicalise, qui se droitise, qui reste recroquevillée. Si on veut pouvoir opposer des arguments sérieux à toutes ces critiques, si on veut arrêter de faire en sorte que ce soit les commentateurs qui nous disent qu'on est radicalisé, droitisé, le monde des anciens, eh bien, il faut que nous-mêmes, on mène ce travail de dire vraiment. Ce que nous sommes, ce que sont nos valeurs, pourquoi on choisit de s'unir ensemble dans la forme d'un parti politique. Et c'était tout le sens de cette réflexion qui a été lancée par Bernard Accoyer, qui a voulu, pour que cette réflexion soit la plus objective possible, qu'elle s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, ce sont les militants, et vous êtes très nombreux. À chaque fois, vous me reprochez de ne pas vous donner la parole parce que c'est compliqué de donner la parole à chaque fois à une assemblée aussi nombreuse. Et alors, on a essayé de multiplier les démarches. Il y a eu le questionnaire en ligne et 40 912 réponses. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment un taux de réponse très, très important dans l'histoire de notre famille politique à ce questionnaire dont nous vous avons partagé les principaux résultats. Il y a eu toutes les contributions que vous avez pu nous écrire sur la boîte études@republicain.fr et que vous pouvez encore nous envoyer. Il y a eu des ateliers organisés dans les fédérations, comme celui-ci à Paris, mais aussi dans toute la France. Et il y a les prises de parole qui suivent ces ateliers avec les experts qui nous permettent aussi de prendre la température de ce que pensent nos adhérents, qui sont bien les premiers légitimes à s'exprimer sur l'avenir de cette famille politique. Et puis, il a le travail avec les experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Reynier, professeur de sciences politiques, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et puis,
qui avait rédigé un ouvrage de référence sur les droites en Europe. Et quand on nous dit que le clivage gauche-droite a disparu, quand dans toutes les droites dans le monde, que dans tous les pays, dans toutes les démocraties dans le monde, eh ben, il y a encore un dialogue gauche-droite, ça peut nous amener peut-être à prendre de la distance et à dire à Emmanuel Macron de peut-être relativiser sa victoire et de se remettre dans une perspective historique et mondiale. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et puis, nous avons demandé à la Fondation Konrad Adenauer et à la CDU, avec qui le Parti républicain entretient de profonds liens d'amitié, eh bien d'avoir la gentillesse de nous envoyer quelqu'un pour mener cette réflexion avec nous. Et donc, je remercie le député allemand, Stefan Kaufmann, qui vient tout spécialement d'Allemagne pour être là parmi nous ce matin, si tôt, et je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Et pour eux aussi réagir et apporter leur contribution, eh bien, je remercie également d'être là ce matin Philippe Juvin, député européen. Et Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris, et qui est aussi notre secrétaire national en charge des relations avec les partis étrangers. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose d'entrer tout de suite dans le débat. Alors, comme je vous le disais, quand on prend un peu de recul, on se dit que quand même, la plupart, nous avons continué longtemps en France d'avoir une gauche qui était un petit peu ambiguë sur le terrain du positionnement, parce qu'elle n'arrivait pas à savoir si elle était collectiviste ou social-démocrate. Et c'était une spécificité française. Mais quand on regarde, et alors on a eu tout d'un coup un Emmanuel Macron qui est arrivé, puis qui a commencé à faire des réformes, et un certain nombre de personnes aussi dans notre camp ont dit, bah, s'il fait des réformes, c'est qu'il est de droite. Parce que la gauche, normalement, elle ne fait pas de réformes. Quand on regarde au niveau européen, on se dit que Tony Blair et Gerhard Schröder, il y a déjà quelques années, ont été de grands réformateurs, tout en n'étant pas des élus de droite, mais des élus qui avaient une sensibilité de gauche social-démocrate. C'est la raison pour laquelle la première question que je voulais poser aujourd'hui à Dominique Reynier, c'est finalement l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une recomposition globale du paysage politique, un nouveau monde et puis la fin du clivage gauche-droite? Ou est-ce que c'est une gauche française qui s'assume enfin social-démocrate, comme la plupart des gauches européennes? Mais est-ce que nous, en tant que droite, maintenant qu'il y a cette évolution, ça va impliquer un repositionnement de notre corpus idéologique? Merci beaucoup, Nelly Garnier, pour cette invitation à discuter avec vous. Et je le dis avec beaucoup de simplicité et de modestie. Ce sont des questions compliquées et au fond, ce n'est pas ce que je vais répondre, mais je pourrais dire que je n'en sais rien parce qu'il y a véritablement aujourd'hui une grande transformation qui est à l'œuvre, pas simplement en France. Ici, tout le monde, je pense, a du goût pour l'histoire. Hein, et parce que nous avons du goût pour l'histoire, nous savons qu'il y a des moments dans l'histoire, que ce soit une nation, un continent ou l'humanité, où il y a de très grands changements, et nous y sommes. Donc il y a beaucoup de raisons de penser que nous avons quitté un monde que nous ne retrouverons plus. Ça n'est pas raisonnable de l'imaginer intellectuellement. On peut l'espérer du point de vue affectif. On peut même éprouver une forme de nostalgie, mais il est une réalité un peu dure, mais aussi qui peut être enthousiasmante, qui est de dire que nous entrons dans un monde nouveau et qui, chaque jour, affirmera sa présence. Je me permets de dire que voilà, l'idée de restaurer ce qui a été perdu n'est pas une bonne idée. Et si j'avais une recommandation à faire, ce serait de ne pas aller chercher de ce côté-là. Vous y perdriez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et sans doute, à la fin, ce serait un échec. Quand on évoque la politique du président Macron, c'est aussi une conséquence. Et je dirais, alors, avec toute la bienveillance possible, il fait tôt, samedi matin, il fait froid. Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'air conditionné terrible. C'est un,
c'est un exercice de tenir sous ce froid. Mais je vous dirais une chose. Est-ce que nous avons eu en France une politique de droite à un moment donné? Moi, je pense que non. Je pense qu'au gouvernement, en termes de décision publique, un espace s'est ouvert peu à peu, au fur et à mesure que, année de gouvernement après année de gouvernement, au fond, il y avait une politique qui pouvait être aussi bien prise en charge par une espèce de gauche socialisante et une droite qui a été très prise par ce que moi j'appelle le social-étatisme, et qui est à mon avis la vraie pensée unique de l'action politique dans ce pays. C'est à force de ne pas occuper un espace qui était disponible que, évidemment, Emmanuel Macron peut à un moment donné, longtemps après, c'est une histoire qui a pris du temps, hein, mais peut-être d'ailleurs ça s'est passé au moment où Emmanuel Macron, bien avant même qu'il s'intéresse à la politique, mais c'est à peu près au tournant des années 70 hein, que, eh bien, peu à peu, la droite au gouvernement s'installe comme une droite de gestion, mais qui ne veut pas assumer la position qu'elle aurait pu assumer de défendre clairement le monde des entreprises, de défendre clairement le travail, de défendre clairement la rémunération du travail, de défendre clairement la baisse de la pression fiscale, par exemple. Chacun sait ici que la pression fiscale n'a jamais cessé d'augmenter, que le gouvernement soit de gauche ou qu'il soit de droite. Hein. Vous faites la tendance, c'est très net, c'est insensible aux choix électoraux des électeurs. Hein. Même chose pour le déficit public. Enfin, il n'y a aucune différence, hein, aucune différence. Il y a un petit moment sous Alain Juppé où ça se résorbe un peu, mais c'est tout à fait passager. Et donc, si vous voulez, à force de laisser l'espace vacant, hein, espace qui n'allait pas être occupé par une extrême droite, évidemment, qui était sur d'autres sujets, c'est une autre question et je crois qu'elle sera abordée, soit ces questions-là ne correspondent à rien dans la société et on peut les laisser tomber, soit elles correspondent à des réalités, c'est-à-dire à des personnes qui travaillent, qui vivent, qui épargnent, qui voudraient transmettre la richesse, le fruit de leur travail, en profiter elles-mêmes, le transférer à leurs enfants, etc. Et ça, c'est la réalité. Et elles ne sont pas satisfaites. Et donc, l'espace s'ouvre. Et d'une certaine manière, d'un côté, la gauche a été littéralement asphyxiée, étouffée. Elle est tombée sous le poids de cette énorme machinerie administrative et socialisante qu'elle a beaucoup contribué à développer. Et puis du côté de la droite, eh bien, finalement, on n'a pas voulu se lancer dans une véritable politique qu'on peut qualifier de libérale, si vous voulez. Moi, c'est le mot que j'utilise, mais qui signifie que l'on encourage la création de richesses et que l'on récompense le travail et que l'on contraint, disons, le niveau de... des prélèvements obligatoires pour ne pas, au fond, priver hein, les actifs du fruit de leur activité. Donc c'est ça, moi, qui me paraît être la grande cause de ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron est-il de gauche? Il se fait traiter de président des riches en ce moment. Hein. Donc c'est quand même un indicateur aussi. Hein. Sur le marché du travail, sa réforme, on peut la qualifier d'une réforme que la droite aurait aimé faire. C'est sans doute pas assez, mais c'est un élément qui appartiendrait clairement à un programme de droite. Hein. La loi El Khomri était déjà considérée comme les prémices d'une réforme de droite. Tout ceci, si vous voulez, peut-être, Nelly, je termine là-dessus pour ne pas être trop long, hein, mais je ne sais pas, vous me dites hein, surtout. Mais tout ceci parce que, au fond, vous le savez bien, la politique, il y a plein de façons de la considérer. Et elle n'a aucune façon de... En tout cas, celle que je vais lister n'est indigne. Simplement, elles ne sont pas situées dans le même registre. La politique, ça peut être une affaire de supporters. Et on peut souhaiter que son équipe gagne. Et quand elle gagne, on est très heureux parce qu'elle a gagné. Mais la politique, c'est aussi faire des choses, gouverner, changer son pays, lui permettre d'être plus fort, d'affronter le futur avec plus de chances de succès, de rayonner dans le monde. C'est la France. On parle de la France. Hein. Rayonner dans le monde. Et à ce moment-là, la victoire, ça n'est rien. C'est simplement le début. Et gagner, c'est pour faire. Ce n'est pas le but. C'est le moyen. Et nous avons très souvent vu, à droite comme à gauche, mais ici on parle de la droite, une droite concentrée sur gagner comme étant le but.
C'est pas le but, c'est le moyen. Et après, les choses s'affaissent, tout le monde le sait. C'est ça qui a fatigué l'alternance, qui a fait qu'au fond, il n'y avait plus cette idée que la défaite de la gauche ou les difficultés de la gauche pouvaient mettre au pouvoir une droite capable de transformer et de convaincre le pays de sa capacité à aller de l'avant et donc ensuite, évidemment, d'être suivi. Voilà, donc c'est aujourd'hui, je comprends l'étonnement, le désarroi, parce que beaucoup de choses sont bouleversées par la manière de faire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est le résultat de tout cela. Il surgit parce qu'il y a tout cela. Nos amis allemands, avec Gerhard Schröder et puis Angela Merkel, Helmut Kohl, on pourrait citer droite et gauche, les grands dirigeants allemands, droite et gauche, ont fait de grandes choses. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, leur budget dégage un excédent de plus de 15 milliards d'euros. Un excédent. C'est quand même quelque chose. Et que la réussite économique allemande, on peut toujours dauber sur des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tous les pays ont des problèmes, évidemment. Mais il y a eu le fruit d'une politique menée de manière vigoureuse. Les Allemands ont payé quand même très cher cette affaire, tout en ayant la capacité, je le rappelle et je leur rends hommage, de réaliser la réunification, qui a coûté énormément d'argent. La réunification, la modernisation du pays est aujourd'hui un excédent budgétaire. Je trouve que quand même, comme bilan, mais chapeau. Chapeau, il y a sans doute à revoir ici ou là, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je trouve que c'est véritablement le signe, si vous voulez, de politiques qui changent les choses, qui font avancer leur pays et qui arrivent à aller de l'avant. Et on pourrait dire la même chose de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Tony Blair était-il de droite? Ça a été beaucoup dit, ça, qu'il était de droite. Ça a été beaucoup dit. Ce qu'a fait Tony Blair, c'est de défaire un parti travailliste qui était quasiment un parti d'extrême gauche. Je vais vite, mais c'est quand même un peu ce qui s'est passé. Et qui en a fait un parti social-démocrate puis social-libéral en très peu de temps, avec le prolongement de l'action qui avait été engagée par Margaret Thatcher, et qui était une action vigoureuse pour sortir le Royaume-Uni de la grande crise dans laquelle il s'était retrouvé, ce pays, à la fin des années 70. Et donc, droite ou gauche, la différence qu'on peut faire aujourd'hui dans les démocraties, c'est les gouvernements qui font des choses et ceux qui ne font pas. Et qui ne faisant pas, en réalité, en général, on ne le fait pas parce qu'on veut être réélu. Vous le savez bien, résultat, on n'a pas fait et on est battu. Parce que c'est ça qui se passe toujours. Mais c'est juste, je ne voudrais pas... Alors, vous savez, comme j'ai été candidat en 2015 aux élections régionales, donc j'ai toujours un peu d'émotion quand j'entends les applaudissements, je me dis, bon, je suis quand même... ça me touche. Je me dis, non, mais c'est vrai que je ne suis plus candidat, donc il faut que je ressorte de là. Mais juste en termes, si vous voulez, d'analyse qu'on fait ensemble, comme ça. Nous sommes plus dans la période qu'on a qualifiée de 30 glorieuses, qui s'est peut-être arrêtée à la fin des années 80, mais peu importe. C'est-à-dire une période, juste deux mots là-dessus, une période qui s'est caractérisée par une forme de routine qui fonctionnait. On pouvait gouverner correctement jusqu'au milieu des années 80 avec des recettes que l'on connaissait, des outils qui étaient efficaces, et on arrivait tous ensemble à progresser. Depuis, peut-être ce moment-là, peut-être avant, mais peu importe, ce n'est pas un colloque sur l'histoire que nous faisons, nous sommes entrés dans une période de rupture, et tout l'indique. Personne ici ne remettrait ça en question. Et donc la routine est terminée, il nous faut maintenant inventer, il nous faut innover, il nous faut faire autrement, ça ne veut pas dire renoncer à ses valeurs, ça veut dire faire autrement, et à partir du moment où il faut faire cela, eh bien, il y a un moment de, au fond, d'égarement. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment s'y prendre. Et c'est dans ces moments-là que s'ouvre un vide, d'où peut surgir absolument n'importe quoi. Et je veux vous rappeler, vous le savez bien, que nous avons échappé en réalité d'assez peu à un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et que si ce second tour, simplement ce second tour avait eu lieu, nous ne serions peut-être même pas ici pour parler de la suite. Parce que la situation dans laquelle nous serions retrouvés, ne serait-ce que l'euro et l'Europe,
serait, et je ne sais pas si nos amis allemands auraient bien voulu venir dans un pays organiser un tel second tour avec le sentiment de faire partie du même système politique. D'ailleurs, j'observe et j'en suis heureux qu'ici, vous ne pratiquez pas la doctrine de Mélenchon, puisqu'il y a le drapeau européen à côté du drapeau national. Bon. Eh bien, nous avons, de ce point de vue-là, une période tout à fait nouvelle de réinvention. C'est la refondation dont vous parlez qui vous préoccupe, et à juste titre. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'il faut regarder avec d'autres lunettes. Je ne dis pas que droite et gauche ont disparu. Moi, je ne pense pas dans le système des valeurs. Je ne crois pas que ça ait disparu. Il y a des valeurs qu'on peut qualifier de droite, il y a des valeurs qu'on peut qualifier de gauche. Il y a aussi tout un monde où ça se rencontre et où ce n'est pas très clair. Et vous avez des libéraux de gauche, des libéraux de droite, des écologistes de gauche, des écologistes de droite. Là, les différences sont souvent plus fortes. Vous avez des Européens de droite, des Européens de gauche. Les différences sont peut-être moins grandes à ce moment-là. Vous voyez, il y a tout le rapport à l'autorité, le rapport à la liberté, à la responsabilité. Il y a toute une série d'éléments qui font que les différences sont plus ou moins marquées. Elles existent quand même. Mais la grande question, je le redis, c'est que sommes-nous capables de faire une fois que nous gouvernons, que nous avons dit avant de gouverner. Puisque, évidemment, l'élément clé, c'est pas simplement d'avoir conscience qu'il faut faire des choses, c'est de trouver les mots et les arguments pour l'expliquer avant d'arriver au pouvoir, pour arriver au pouvoir, dans un contrat clair qui n'est pas foulé aux pieds dès que les portes du palais sont franchies. Voilà. Merci. Je laisse Jean-Didier réagir rapidement. Je crois qu'il avait une question à poser à notre invité allemand. Merci Nelly. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre mobilisation dès le début de ces ateliers, parce qu'on est content de vous voir aussi nombreux dès 9h du matin. Je prends ma casquette de secrétaire national aux relations avec les partis étrangers pour poser effectivement la première question à Stéphane Kaufmann. D'abord aussi pour le féliciter de sa brillante réélection. Il y a deux semaines au Bundestag, Stéphane Kaufmann est un jeune député. Stéphane Kaufmann a été élu député pour la première fois en 2009, donc dans la circonscription de Stuttgart. Et d'ailleurs, il a battu le président des Verts de son land. Donc il pourra aussi peut-être rester pour nous expliquer aussi comment à Paris, on peut aussi incarner une droite alternative contre des écologistes. Moi, effectivement, j'aurais voulu demander à Stéphane Kaufmann d'abord sa vision aujourd'hui de ce qui se passe en France par rapport depuis les dernières élections présidentielles et qu'il puisse rejoindre l'analyse de Dominique Reynier. Nous expliquer aussi comment la CDU s'est reconstruite aussi et a construit un projet alternatif pendant ces années Schröder, qui ont été des années de mandat longues et dans lesquelles il y a eu une transformation importante du pays avec une gauche social-démocrate, comme on a un peu aujourd'hui avec Macron. On parlait gauche-droite. En fait, Macron, c'est les réseaux Strauss-Kahn. Hein. C'est Strauss-Kahn qui est devenu président de la République, ni plus ni moins. Donc comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec des idées différentes, comme ça a été le cas en Allemagne, à créer une alternative? Et enfin, une deuxième question, évidemment, que je souhaiterais lui poser sur l'initiative récente du président de la République sur l'Europe et comment ça a été perçu. Parce qu'on en parlait avec Philippe Juvin, que je remercie de sa présence et qui va s'exprimer tout à l'heure, et qui est un député européen très impliqué, très dynamique et très compétent. Philippe, merci beaucoup pour tout ce que tu fais au Parlement européen. Et cette initiative aujourd'hui, elle est dans un contexte où, on en discutait tout à l'heure, c'est un bel outil de communication qui a fait flop. Comment aujourd'hui vendre une initiative européenne dans une Allemagne qui est en négociation de sa coalition, avec un Royaume-Uni qui est en plein Brexit, avec une Espagne qui est en pleine crise institutionnelle et politique pour sauver son unité nationale, avec une Italie et un président du Conseil italien, Renzi, qui est affaibli et qui prépare des prochaines élections. Donc on voit bien que les principaux moteurs de la construction européenne ne peuvent déjà pas s'impliquer dans une telle initiative, sinon aller trouver quelques alliés en Europe centrale. Donc c'est sur tous ces sujets que j'aurais souhaité avoir déjà une première réaction de notre invité. Ja. Herzlichen Dank zunächst und einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass
Sie mich eingeladen haben, hier bei Ihnen zu sein, bei unserer Schwesterpartei. Und freue mich auch, dass so viele Menschen heute Morgen schon gekommen sind und sich für die Zukunft der Partei hier interessieren. Merci à tous. Merci beaucoup d'être ici. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de voir qu'il y ait autant de gens qui soient venus ce matin dans notre partie sœur et qui soient venus s'intéresser à ces sujets. Mein Freund Nino Goletti leitet hier die Adenauer Stiftung. Mein Bruder ist mit einer Französin verheiratet. Deshalb habe ich auch freundschaftliche und familiäre Kontakte nach Frankreich und bin deshalb sehr gerne heute Morgen nach Paris gekommen. Mon ami Nino Galetti est président de la Fondation Konrad Adenauer et mon frère est marié à une Française, donc j'ai des liens amicaux et familiaux avec la France et donc c'était une grande joie pour moi de venir ce matin à Paris. Ja, zunächst Ihre erste Frage. Ich möchte nicht sehr viel dazu sagen. Herzlichen Dank für die Glückwünsche zu meiner Wiederwahl in den Deutschen Bundestag. In der Tat, ein extra Thema könnte das sein, wie man in einer Stadt, in einer liberalen Großstadt, in einem liberalen politischen Umfeld wie in Stuttgart gegen den Präsidenten und Spitzenkandidaten der Grünen Partei einen Wahlkreis verteidigt. Ein Kandidat, Özdemir, der natürlich eine extrem hohe Medienpräsenz hatte, bundesweit in allen Fernsehmedien, TV-Medien, bei einer Presse, die eher linksgrün orientiert ist. Wir haben letztlich nur eine Zeitung in Stuttgart, die politisch auf der anderen Seite steht. Also es war eine große Herausforderung und man kann das sicherlich nur dann gewinnen als konservativer Kandidat, wenn man sicherlich sich sehr gesellschaftspolitisch sehr mittig aufstellt und jedenfalls jetzt nicht die konservativen Ränder vorrangig bedient, sondern sich schon als Person auch zum Beispiel den vielen Migrantengruppen in der Stadt öffnet, den vielen Menschen, die eben aus ganz unterschiedlichen Gesellschaften und Milieus in Stuttgart aktiv sind. Sur votre première question, je ne parlerai que brièvement. Merci tout d'abord pour vos félicitations sur ma réélection. C'est vrai que c'est quelque chose dont on pourrait reparler. Comment, dans une grande ville progressiste, comme c'est le cas de Stuttgart, peut-on défendre sa circonscription contre le candidat en tête de liste des Verts nationaux? Et c'est difficile. Cem Özdemir, effectivement, est très, très présent dans tous les médias. Qui plus est, la presse en Allemagne est plutôt de gauche, plutôt libérale. Il n'y a à Stuttgart qu'un seul journal qui soit véritablement de droite. C'était donc un véritable défi. Dans une telle circonscription, on ne peut gagner que lorsqu'on adopte une position plutôt centriste, quand on essaye de ne pas insister sur la frange la plus à droite du parti, quand on se montre également ouvert du point de vue personnel, qu'on va à la rencontre des communautés de migrants dans sa ville. Aber vielleicht mache ich hier einen Punkt zu dem Thema. Die erste Frage war, wie ist meine Sicht auf Frankreich jetzt auch im Zuge der Wahl von Emmanuel Macron als neuer Präsident? Wir waren natürlich am Anfang schon sehr überrascht in Deutschland, als diese Bewegung aufkam. Man hatte lange Zeit nicht geglaubt, dass Emmanuel Macron diese Wahl wird gewinnen können. Man hat dann aber schon sehr stark gemerkt, dass er eine Person zu sein scheint, die jedenfalls, und Sie haben von Zukunftsfähigkeit gesprochen, von Reformbereitschaft, der jedenfalls von seiner Persönlichkeit her gewillt ist, die Dinge wirklich auch engagiert in die Hand zu nehmen. Dann kamen die Probleme dazu, die Fillon hatte mit der Anstellung und so weiter seiner Verwandtschaft. Und dann war irgendwann der Punkt schon erreicht, wo wir gesehen haben in Deutschland, okay, Emmanuel Macron wird diese Wahl gewinnen können, auch gegen Le Pen. Und dann war natürlich die große Frage, wird er eine Mehrheit im Parlament erhalten können als neue Bewegung? Und da war natürlich die Überraschung dann, die zweite große Überraschung, dass es ihm tatsächlich gelungen ist, mit seiner politischen Bewegung diese Parlamentswahl deutlich für sich zu entscheiden. Und wenn Sie nun fragen, auch wie ich in dem Kontext auch die Thesen von Ihnen, Herr Renier, sehe, dann scheint es mir doch so zu sein, dass in Frankreich, Sie haben es so beschrieben, es ist eigentlich egal, wer regiert hat, es wurde letztlich nicht gehandelt. Also man hat die entscheidenden Fragen, jetzt auch eine Politik der Mitte in der Wirtschaft, in der Steuerpolitik, nicht engagiert angegangen. Man hat nicht gestaltet, man hat das Land eher verwaltet. Und so ist ein gewisser Reformstau entstanden, der eben Platz gemacht hat für eine Persönlichkeit wie Emmanuel Macron, der doch diesen Gestaltungswillen offenbar in der französischen Bevölkerung vermitteln konnte. Un point sur la question que vous m'avez posée, mon avis sur l'élection d'Emmanuel Macron et la situation en France depuis.
J'avoue qu'en Allemagne, nous avons été tout d'abord très surpris. Nous ne pensions pas qu'Emmanuel Macron pourrait gagner ces élections. Mais comme vous l'avez remarqué, c'est vrai que c'est une personne qui a su montrer qu'il était ouvert à l'avenir, qu'il était prêt à faire des réformes et à agir, à s'impliquer personnellement pour qu'on puisse agir. Et puis ensuite, on suivit les problèmes avec Fillon et le fait qu'il ait embauché des membres de sa famille. Et vu d'Allemagne, on a commencé à penser qu'effectivement, Emmanuel Macron pouvait gagner ses élections, notamment après le deuxième tour contre Marine Le Pen. La deuxième question qui se posait était ensuite de savoir si, après cette victoire, il arriverait à rassembler derrière lui une majorité au Parlement. Et deuxième surprise vue de l'Allemagne, effectivement, il en a été capable. Alors, maintenant, vous me demandez mon avis sur les thèses présentées par M. Régnier. J'ai aussi personnellement l'impression qu'en France, quel que soit le parti qui était au pouvoir, on est souvent eu des partis qui refusaient d'agir sur les questions vraiment importantes pour avoir une politique centriste, sur les questions économiques par exemple. On a eu des partis politiques qui n'ont pas voulu recréer et avancer, mais qui ont plutôt eu une politique de gestionnaire. Et il me semble donc qu'il y avait la place en France pour quelqu'un qui déciderait de faire cela. Et Macron a su convaincre les Français à ce sujet. Die Frage, die ja Herr Régnier aufgeworfen hat, ist die Frage, gibt es eine bürgerlich-konservative Politik? Was ist das überhaupt? Was muss da sozusagen drin sein, damit es bürgerlich-konservativ ist? Und diese Frage stellen wir uns natürlich jetzt ein Stück weit in Deutschland auch, in der CDU, nachdem wir die Wahl letzte Woche zwar gewonnen haben, aber doch bis zu 10% auch bundesweit verloren haben. Wir haben natürlich die gleiche Diskussion. Sind wir vielleicht nicht mehr konservativ genug? Auf der rechten Seite haben wir zu viel jetzt an die AfD, die Alternative für Deutschland, verloren, aufgrund insbesondere unserer Flüchtlingspolitik, unserer liberalen Flüchtlingspolitik, müssen wir wieder als Partei konservativer werden. Also wir werden jetzt in Deutschland in der CDU die gleichen Diskussionen ein Stück weit bekommen, wie Sie sie hier auch haben, was die inhaltliche Ausrichtung der Partei angeht. Und ich würde mir im Übrigen wünschen, dass meine Partei einen solchen Prozess ähnlich offen und auch engagiert angeht, wie Sie das hier tun. Denn wir haben schon ein bisschen das Problem in Deutschland zu sagen, in der CDU, jetzt haben wir die Wahl ja gewonnen, ist zwar nicht optimal, aber wir werden trotzdem jetzt so irgendwie weitermachen. Und dieser inhaltliche Aufarbeitungsprozess, wie Sie ihn hier jetzt auf das Gleis gesetzt haben, ist zumindest ein sehr guter Weg, das auch in die Zukunft besser zu machen. Revenons sur la question maintenant de M. Régnier. Il me semble que la question que vous posez, M. Régnier, c'est de se demander « Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui la droite ? Quelles sont les idées de la droite ?» Et je dois dire que c'est une question qu'on se pose aussi en Allemagne. C'est quoi une politique de droite ? Certes, nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu tout de même 10% à l'échelle nationale. Donc les mêmes discussions, finalement, nous nous les posons aussi un petit peu. Est-ce que la CDU n'est pas assez à droite ? Est-ce que nous avons trop cédé de voix à l'extrême droite, l'AfD allemande ? Est-ce que c'est par exemple lié en partie à notre politique assez ouverte et libérale vis-à-vis des réfugiés ? Est-ce que nous devons maintenant opérer un vrai virage à droite ? Ces discussions, nous les avons également. Et je souhaite qu'en Allemagne, nous puissions mener ces réflexions avec autant d'ouverture et avec autant d'engagement que ce que vous faites ici. Le problème finalement de l'Allemagne, c'est que la CDU finalement a quand même gagné les élections. On se dit certes, ces résultats ne sont pas idéaux, mais nous pouvons continuer comme ça. Donc j'espère que nous pourrons avoir un processus ouvert, puisque ce processus de refondation que vous avez mené ici me semble très prometteur. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es um eine Frage, ähnlich wie Herr Régnier, um eine Frage von rechts oder links geht. Ich glaube, es geht am Ende darum, dass man die anstehenden Probleme löst. Und Sie haben das Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik angesprochen, das ja lange in Frankreich offensichtlich nicht angegangen wurde. Sie haben gesagt, Steuern wurden nie gesenkt, egal ob rechts oder links regiert hat. Deshalb glaube ich tatsächlich, es geht darum, die Probleme anzugehen, die bestehen. Und das hatte damals zum Beispiel tatsächlich Kanzler Schröder gemacht, als er die Arbeitsmarktreformen aufs Gleis gesetzt hat. Im Übrigen glaube ich, dass die große Konfliktlinie in der Politik, und das haben Sie auch angesprochen, das Thema Wandel in Europa, die Welt wandelt sich, die große Konfliktlinie ist, glaube ich, gar nicht mehr zwischen rechts und links in diesem klassischen Parteienschema, sondern die große Konfliktlinie auch in der politischen Diskussion ist meines Erachtens die Frage, wie gehen die Menschen mit der Globalisierung um?
Bin ich für die Globalisierung? Bin ich gegen die Globalisierung? Die Entwicklungen der Globalisierung, Flüchtlingsströme zum Beispiel, Freihandelsabkommen, das sind, glaube ich, ganz neue Konfliktlinien in der politischen Diskussion. Und da gehen die Trennlinien durch alle Parteien. Das ist jetzt unabhängig von einer Rechts-Links-Verortung der im Parteienspektrum. Maintenant, sur la question de clivage gauche-droite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avancez, Monsieur Régnier. J'ai l'impression que le vrai problème, c'est de résoudre les problèmes concrets auxquels nous faisons face. Vous avez abordé la question de la politique financière et de la politique économique en France, où longtemps on n'a rien fait. On n'a par exemple pas du tout baissé les impôts. Il me semble donc que ce qu'il faut, c'est s'attaquer de front à ces problèmes. C'est vrai, par exemple, qu'en Allemagne, lors de l'ère Schröder, on a eu une grande réforme du marché du travail. Maintenant, revenons sur ce grand bouleversement politique dont vous parliez. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a plus de clivage gauche-droite, mais que le clivage, il est vraiment, il s'articule autour de la question de la mondialisation. Les personnes qui sont pour, les personnes qui sont contre la mondialisation, et l'attitude vis-à-vis des développements qu'amène la mondialisation, les flux de réfugiés, par exemple, les accords de libre-échange. Et il me semble que là, les lignes de fracture, elles traversent les partis. Vielleicht eine letzte Anmerkung, ich möchte jetzt auch nicht zu lange reden, zu dem Thema Europa-Initiative von Macron. Sie wurde in Deutschland mit großem Interesse aufgenommen. Die CDU ist die Europapartei in Deutschland, keine Frage. Wir wollen Europa in dieser schwierigen Zeit gemeinsam voranbringen. Und deshalb ist für uns das wichtigste Signal, dass Macron ein Pro-Europäer ist und dass er vor allem auch diese Reformbewegungen in Europa gemeinsam mit Deutschland in einer Stärkung der deutsch-französischen Achse durchführen möchte. Er hat einen neuen Champs-Élysées-Vertrag vorgeschlagen, im Frühjahr 2018 zum Jahrestag des Élysées-Vertrages. Und diese starke deutsch-französische Achse bei den Reformbewegungen ist bei uns natürlich sehr gut angekommen, denn wir wissen, wenn Deutschland und Frankreich nicht am gleichen Strang ziehen, wenn es um die Reformen in Europa geht, dann wird es nicht gelingen. Und deshalb haben wir natürlich sehr genau uns das angeschaut. Eine gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie zum Beispiel halten wir für sehr richtig. Wir sind etwas kritisch bei dem Thema europäische Finanz- und Wirtschaftspolitik, ein europäischer Finanz- und Wirtschaftsminister. Natürlich bei dem Thema Vergemeinschaftung der Schulden, da haben wir sicherlich inhaltlich auch einen Dissens. Aber viele der Vorschläge, die Macron gemacht hat, können, glaube ich, von Deutschland auch mitgetragen werden. Und insofern denke ich, dass wir da wirklich auch gemeinsam in deutsch-französischer Freundschaft gerade auch dieses europäische Projekt voranbringen sollten. Alors je ne veux pas être trop long. Un dernier point, la politique européenne et l'initiative européenne proposée par Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui a été reçu avec énormément d'intérêt en Allemagne. La CDU, après tout, est le grand parti pro-européen. Nous voulons avancer en Europe malgré les temps difficiles. Et le signal important qui nous a semblé émaner de ce discours de M. Macron, ça a été que M. Macron veut faire avancer l'Europe et veut faire avancer l'Europe par le moteur franco-allemand. Il a proposé, par exemple, la signature d'un nouveau traité de l'Élysée en janvier 2018. Et c'est vrai que c'est important, puisqu'on sait très bien que lorsque l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord sur les points pour avancer, alors l'Europe n'avance pas dans ce domaine. Sur les différents points qu'il a abordés, il y a un certain nombre de points sur lesquels la CDU peut trouver un accord et un consensus, une stratégie de défense européenne, par exemple. Sur d'autres points, nous sommes plus critiques, notamment la politique en matière de politique financière et économique de M. Macron, cette idée d'un ministre des Finances européen qui, pour nous, semble plus compliqué. Mais néanmoins, il y a beaucoup de propositions sur lesquelles nous pourrions atteindre un consensus. Et ce qui reste important, il me semble, c'est l'amitié franco-allemande comme moteur de ces avancées. Merci. Merci Philippe Juvin. Je vous laisse réagir à tout ce qui a été dit depuis le début de cet atelier. Merci d'abord à la Fédération de Paris de m'avoir invité à ces ateliers de la refondation. D'emblée, je veux vous prévenir, je vais devoir vous quitter avant la fin de la réunion parce que, et je parle au maire du 17e et au maire du 15e qui vont me comprendre, étant maire de ma commune dans les Hauts-de-Seine, je dois célébrer un mariage à 11h. Enfin, c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est aux mariés. Et donc, je ne voudrais pas rater. Un mariage peut-être franco-allemand, je ne sais pas. En tout cas, sur les mariages qui durent.
quand on se pose la question de savoir, au fond, s'il y a des exemples que l'on peut prendre dans les politiques européennes pour voir s'il y a des exemples de partis de droite qui ont été évincés du pouvoir dans des conditions similaires à ce que nous avons vécu et qui se sont reconstruits. Est-ce que finalement on peut retrouver chez nos voisins de tels exemples ? Il y a de tels exemples. Par exemple, j'observe qu'en Grande-Bretagne, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Didier l'a rappelé, quand Tony Blair prend le pouvoir, après un temps de conservatisme complexe dans le Parti travailliste, qui rénove le Parti travailliste, il prend le pouvoir un peu comme Macron le fait. C'est-à-dire qu'il explique à la gauche qu'il faut se moderniser, se rénover. Et à l'époque, le parti conservateur, qui a été longtemps au pouvoir, est dans une situation extrêmement critique. Et ils ont leur Macron à l'époque, qui est Tony Blair. Et malgré ça, quelques années plus tard, le parti conservateur, la droite, arrive à se reconstruire. Alors, quelles sont les méthodes qu'ils mettent en œuvre? Est-ce qu'on peut imaginer, finalement, y prendre quelques recettes? Tout d'abord, quand les conservateurs reprennent le pouvoir après l'épisode Tony Blair, qui est très populaire à une époque, il faut s'en souvenir, aussi populaire que Macron l'est aujourd'hui, et la coqueluche de tout le monde. Je me souviens d'un conseil européen en 1997, son premier conseil européen, où Tony Blair ringardise tout le monde. C'était en Hollande, et il arrive en vélo à la réunion du conseil. Alors vous imaginez Chirac, Jospin en vélo, tout ça, ça ne marchait pas. Donc il montre que la politique, il l'a fait différemment. Et aussi, par ces questions de forme, il impressionne, comme le fait Macron. Eh bien, le Parti conservateur va revenir au pouvoir avec un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est qu'il se reconstruit intellectuellement. C'est-à-dire que le Parti conservateur, la droite britannique, va s'appuyer sur tout un tas de clubs de réflexion, de gens qui décident de mettre à bas un certain nombre de sujets, mettre à plat ces sujets, un petit peu comme les plus anciens s'en souviennent en 81, quand la droite perd le pouvoir, quand Mitterrand est élu, qu'est-ce qu'on fait avant tout? Eh bien, on crée des cercles de réflexion et on décide d'avoir d'abord une remise en cause intellectuelle. Eh bien, c'est ce que fait le Parti conservateur, qui va le ramener au pouvoir quelques années plus tard avec Cameron. Première observation. Deuxième observation, Cameron revient au pouvoir en proposant non seulement des solutions techniques, réduction des déficits, parce qu'à l'époque, à la fin de l'époque Blair et Gordon Brown, la Grande-Bretagne est de nouveau endettée, de nouveau extrêmement centralisée. Il va proposer des solutions techniques, réduction des déficits, etc., comme on l'a un peu fait, nous, dans cette élection présidentielle perdue, il y a quelques mois. Mais il va surtout proposer un projet de société, c'est-à-dire une approche globale. À l'époque, il invente quelque chose qu'on appellera la « big society », la grande société, qui consiste à quoi ? Qui consiste à se dire, au fond, si le système ne fonctionne pas bien, c'est qu'il est trop centralisé, qu'on ne fait pas assez confiance aux gens. Et il va redonner du pouvoir aux communes, et il va redonner du pouvoir aux acteurs de la société civile. Bref, il fait ce que je crois que nous n'avons pas suffisamment fait ces dernières années. Il s'extrait de propositions purement techniques pour avoir une approche plus globale. Bref, un projet de société. Et nous devons faire ça. Nous devons aussi analyser que, je crois qu'un des éléments de l'autocritique que nous devons faire, c'est que nous avons, au fond, réchauffé de vieilles méthodes ces dernières années, des trucs qui avaient marché il y a 10 ans, quand Sarkozy avait été élu, mais Sarkozy, je vous le rappelle, a été élu sur un projet de société. À l'époque, il voulait remettre le travail, etc. Eh bien, nous n'avons pas été capables de proposer autre chose que des solutions techniques il y a quelques mois. Donc, un travail intellectuel, deuxièmement, un projet de société, et troisièmement, le Parti conservateur revient au pouvoir parce qu'il reconquiert des classes de la population qu'il avait sous-estimées et abandonnées auparavant, et en particulier les classes les plus modestes. Il se réadresse à des gens qu'il avait oubliés. Et avec ça, il arrive à se sortir d'une situation extrêmement critique, assez similaire à celle que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a cet exemple britannique. L'exemple allemand, Stefan Kaufmann vous en a parlé. Et je vous donne un deuxième exemple très rapidement, c'est l'exemple autrichien. La question, est-ce qu'il y a encore une droite, encore une gauche? L'exemple autrichien est intéressant. En 2008, la droite autrichienne perd les élections. Pas de beaucoup, mais perd les élections. Et les socialistes gagnent. Et à l'époque,
il y a un certain nombre de gens qui auraient pu se baptiser les constructifs, quasiment, dans la droite autrichienne, qui disent « Ah oui, mais on est, les socialistes ont gagné, ils sont modernes parce qu'ils ont su se moderniser. Eh bien, nous, on va travailler avec eux. » C'est ce que la droite autrichienne décide de faire. Elle devient constructive, en quelque sorte. Et ils s'associent aux socialistes modernes. C'est de 2008. Eh bien, nous sommes en 2017. La droite a disparu, n'existe plus, et rate chacune des élections qui sont faites. Pourquoi ? Parce que la réalité des choses, c'est que je suis d'accord absolument avec Stéphane Kaufmann. Il y a une dissociation entre ceux qui sont exclus de la mondialisation et ceux qui ne le sont pas. Il y a ces fractures-là qui passent à travers nos clans politiques. Mais quand vous demandez aux Français s'ils sont de droite ou s'ils sont de gauche, ça a encore un sens. Les gens expriment encore leur appartenance à la droite, leur appartenance à la gauche. Et donc dire « je vais gouverner avec les adversaires », c'est créer un trouble tel qu'on ne s'en remet pas. Et pardon, mais la CDU, la droite allemande, a proposé aux socialistes allemands de gouverner. La grande coalition, ça existe chez eux. Mais c'est leur victoire à eux, à droite. Mais la gauche s'en est toujours pas remise. Ils s'en sont tellement peu remises qu'ils ont décidé de ne pas participer à une nouvelle coalition. C'est la déclaration de l'ancien président du Parlement européen il y a quelques jours. Donc on voit bien, je pense qu'il y a peut-être deux leçons à tirer des expériences européennes. Premièrement, pas de confusion droite-gauche, parce que ça vous tue, parce que ça crée du trouble, et vous ne vous en remettez pas 10 ans plus tard. Et deuxième observation, c'est que la reconquête du pouvoir est toujours possible, mais à condition de savoir pourquoi, travail intellectuel, remise en cause intellectuelle, à condition de reconquérir un certain nombre de classes qu'on a oubliées, et troisième condition, à condition d'avoir non pas des solutions techniques, mais un projet de société. Et donc nous, ici, nous devons rebâtir un projet de société. Voilà, j'ai beaucoup parlé au Parlement européen, on a le droit à 60 secondes, alors quand on me donne la parole à Paris, je le garde. Merci infiniment. Merci Philippe Juvin. Ça va totalement dans le sens de la réflexion qu'on est en train de mener, notamment sur l'exemple britannique qui est très inspirant. J'aimerais maintenant redonner la parole à Dominique Régnier sur plusieurs choses. Le député Stéphane Kaufmann donc, nous a dit que le clivage, c'est la mondialisation. Donc est-ce à dire qu'aujourd'hui, un des clivages qu'on observe, c'est les partis qui acceptent la mondialisation, qui seraient les partis de gouvernement, et les partis qui rejettent la mondialisation, qui seraient les partis populistes? Et donc, finalement, est-ce qu'on va se retrouver dans un dialogue qui serait simplement parti de gouvernement contre parti populiste? Ou est-ce qu'on peut avoir un discours intelligent quand on est un parti de gouvernement comme la droite, en disant « oui, on accepte l'économie libérale, oui, on accepte la mondialisation, mais on est bien conscient de tout ce que ça implique comme insécurité dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, chez les classes les plus populaires, et donc avoir un discours de protection qui fasse qu'on dépasse cette vision un peu binaire, pro ou contre mondialisation. Et puis, par ailleurs, on a posé... Le député Stéphane Kaufmann a rapidement posé la question des migrants dans une note que je relisais de vous dans le commentaire de 2011. Vous disiez finalement, la droite, elle a un peu deux positionnements possibles, soit un retour conservateur à des valeurs face à ces insécurités qui sont très fortes, soit un retour à des ancrages traditionnels, des valeurs conservatrices qui seraient d'ailleurs, on pourrait dire, traditionnelles, catholiques, qu'on peut sentir aussi exister dans notre famille politique, soit elle a un enjeu plus intéressant qui est l'enjeu patrimonial, aller défendre ce patrimoine qui est notre culture, notre identité, notre histoire, et dire on a le droit de ne pas être étranger dans son propre pays. On a le droit de dire que la culture française, elle existe, et non pas, comme disait Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de culture française. On a le droit de dire qu'être français, c'est quelque chose, et qu'on a le droit de s'inquiéter de tout ce qui peut menacer cette identité française. Alors, j'aimerais vous dire, ces questions patrimoniales, est-ce qu'on peut les aborder quand on n'est pas un parti de gouvernement sans basculer dans le populisme, puisque c'est ce dont nous accusent un certain nombre de personnes? Bon, c'est beaucoup de questions importantes. Chacun le note en vous écoutant. Nelly, vraiment, c'est des très grands sujets.
Et là encore, il faut réagir en, en restant modeste, parce que c'est vraiment très compliqué. Sur la globalisation, c'est un élément très important, je pense, de vos réflexions. Moi, j'en fais un argument personnel dans mon analyse pour considérer qu'il n'y a pas tout à fait la même situation entre la droite et la gauche. Et d'une certaine manière, dans le monde démocratique, pas simplement en France, et que d'une certaine manière, la globalisation, c'est le passage à droite de la planète, pour aller vite. C'est le triomphe du marché. C'est un monde qui devient celui des entreprises, des grandes entreprises, parfois même trop grandes d'ailleurs. On n'arrive pas à leur faire payer les impôts qu'elles nous doivent. C'est un monde qui est régulé par l'offre et la demande. Il faut essayer d'agir dessus à partir d'une puissance publique, mais ce n'est pas simple. C'est quand même un monde qui me paraît, moi, plus de droite que de gauche dans sa configuration actuelle. Et c'est parce qu'en France, encore une fois, la droite ne s'est jamais vraiment reconnue dans ce modèle-là qu'elle éprouve une forme d'étrangeté. Mais c'est la gauche qui est en grande difficulté là-dessus. C'est la gauche qui est en grande difficulté. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, par exemple, la gauche a subi un revers très important récemment, je le crois en tout cas. C'est une des causes qui fait que la social-démocratie en Europe me paraît plutôt s'éteindre et s'effacer. Le clivage globalisation, autre chose, c'est quoi? C'est globalisation, repli national. C'est sans doute quelque chose qui existe dans les esprits. Ce ne sont pas des options de gouvernement. Je ne vois pas comment un parti de gouvernement... Il faut aller très vite ici. Hein, je ne veux pas être trop long parce que le temps file. Mais je ne vois pas comment un parti de gouvernement peut aujourd'hui développer un programme anti-globalisation. Ça ne me paraît pas possible. On peut verser très vite dans un discours tout à fait démagogique et qui ne débouchera au mieux sur absolument aucune décision ou bien des décisions catastrophiques. L'une des grandes erreurs historiques, me semble-t-il, en tout cas du Parti conservateur britannique, et de Cameron en particulier, c'est l'organisation d'un référendum absurde qui les met dans une situation épouvantablement compliquée. On verra plus tard, dans beaucoup, beaucoup d'années, on verra au fond ce qui s'est passé, mais ça ne paraît pas être aujourd'hui encore une décision que l'on peut qualifier autrement que de désastre pour ce pays. Et donc on a une configuration qui fait que la globalisation n'est pas une option en réalité. Nous sommes dans ce monde globalisé. Mais en effet, il y a au sein de notre société, dans notre territoire, pour revenir au cas très particulier de la France qui nous intéresse ici, il y a un clivage. Et ce clivage, il n'est pas simplement la question de la globalisation, mais il est sur ses effets sur notre société. Et il y a un point particulier, moi, que je ne fais qu'évoquer, mais qui est à mon avis un élément absolument déterminant. En France, comme dans beaucoup de démocraties aujourd'hui, la plupart, il y a un clivage qui se traduit dans une coupure entre le monde des métropoles et le reste du pays. Et ça, c'est véritablement un fossé qui se creuse, une incompréhension qui s'installe. Et les élites politiques, la plupart des élites politiques, sont plutôt issues des métropoles, avec une culture qui est celle des métropoles, qui est une culture effectivement à l'aise dans la globalisation, effectivement avec les clés pour comprendre et réussir dans cette nouvelle configuration. Et on tend à voir, au fond, une France non métropolitaine. Hein. Ce n'est pas simplement la France agricole, hein, ni même la France rurale. C'est la France des petites villes et des moyennes villes. C'est une très, très grande part de ce pays. Dans ma région, l'Occitanie, c'est plus de la moitié du territoire, hein, et de la population. C'est, au fond, une France qui pourrait avoir le sentiment, avec de bonnes raisons derrière, d'être abandonnée, oubliée ou de sortir du radar politique. Et ça, ça fait, en même temps, évidemment, je dirais, un espace politique pour les partis populistes que d'investir cette France qu'on a pu qualifier de périphérique. Bon, la formule est efficace, elle a été retenue, elle dit une certaine vérité, même s'il faudrait ici ou là la préciser. Donc voilà, je dirais moi aujourd'hui le travail qui est à accomplir pour un parti de gouvernement, c'est d'arriver à faire vivre ensemble ces deux Frances dans un monde qui est définitivement ouvert. Et là, c'est pareil, il ne faut pas imaginer des retours en arrière. Les protections absolument indispensables. Aucune communauté politique ne vit sans protection. Les protections absolument indispensables, bon, après, c'est des convictions. Moi, je le crois, se feront à l'échelle de l'Europe, appuyant les nations. Mais les projections, qui sont également indispensables, parce qu'il faut réussir dans ce monde, il ne faut pas simplement survivre, il faut réussir,
se feront également dans une coopération étroite avec nos amis et voisins européens pour, sur des secteurs très stratégiques, arriver à peser ensemble ou même à peser face aux grandes entreprises que tout à l'heure j'ai citées. Et puis juste pour terminer, Nelly, là-dessus, il y a trop de questions, c'est de votre faute, il y a trop de questions, trop de remarques, on essaie de répondre, mais ce n'est pas possible. Juste là-dessus, je termine là-dessus. Le clivage parti populiste, parti de gouvernement est effectivement, je pense, ce qui se met en place. Et ça complique, parce que les partis populistes, vous en avez à gauche, vous en avez à droite. Hein, et les partis de gouvernement, il y a des partis de gouvernement de gauche et des partis de gouvernement de droite. La pression des populistes peut amener les partis de gouvernement. C'est une des raisons pour lesquelles le clivage gauche-droite semble s'effacer. Il ne s'efface pas, mais il y a une coopération nécessaire à un moment donné entre des partis de gouvernement de droite et de gauche pour résister à la pression populiste. On a parlé des Autrichiens tout à l'heure. Si la droite en Autriche gagne aux élections législatives qui ont lieu dans quelques jours, ce qui est probablement le cas, elle formera une coalition avec les populistes. Et donc on verra à ce moment-là ce que... Elle pourrait en tout cas, c'est probable. On verra à ce moment-là ce qui se passera. Ce sera un exemple de coopération. Mais le clivage populiste et parti populiste par parti de gouvernement est un clivage qui, s'il s'installe, marquera peut-être une crise majeure de la démocratie. Puisque c'est le clivage qui soit empêche l'alternance. On ne peut pas confier le pouvoir aux populistes. Ça n'est pas raisonnable. Soit ça empêche l'alternance, soit ça fait du moment électoral un moment de rupture. Et à ce moment-là, c'est le saut dans le vide. Et il y a peu de chances qu'on retombe sur nos pattes. Donc ça signifie qu'on rentrerait dans une démocratie où, au fond, il y a soit le soutien aux modérés qui gouvernent, droite et gauche, droite ou gauche, soit le saut dans le vide. D'où l'urgence de construire une opposition raisonnable, crédible, qui dit ce qu'elle va faire, qui fait ce qu'elle a dit quand elle est au pouvoir, et qui ne se laisse pas dévorer par les partis populistes qui, s'ils devenaient les seuls opposants, mettraient presque fin au mécanisme démocratique. Alors, j'ai une dernière question pour notre invité allemand avant que vous ayez aussi la parole. Donc, une question brève qui fait la transition avec ce que vient de dire Dominique Régnier sur les coalitions. Et comment on envisage aussi cette culture de coalition. On est dans un univers politique où les partis, les grands partis politiques traditionnels sortent affaiblis des différentes séquences électorales. C'est le cas chez nous, ça a été le cas aussi dans d'autres pays. Et vous avez vu qu'on avait eu même ce débat qui avait commencé à émerger en France pendant la campagne législative, après l'élection d'Emmanuel Macron, qui était de dire, et si jamais il n'avait pas une majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faudrait envisager une coalition de gouvernement éventuellement et dans quelles conditions? Alors évidemment, la culture française et la culture politique française est à l'opposé de cette culture-là. Ce n'est pas le cas en Allemagne et en Europe du Nord en général, où on a une vraie culture de coalition, soit entre droite, centre-droit, libéraux, comme ça a été le cas, soit avec des grandes coalitions, comme ça a été le cas également en Allemagne. Moi, j'avais cette question à poser sur les coalitions et sur la structure politique de ces coalitions. Est-ce que finalement, on se fait élire sur un programme et en fait la coalition fait qu'on renégocie le programme et donc ça crée aussi des déceptions dans l'électorat, ou est-ce que c'est un moyen d'avoir une stabilité gouvernementale et institutionnelle? Ja, also ich kenne jetzt natürlich die französische Parteienlandschaft auch nicht so gut, aber mein Eindruck ist schon, dass die großen Parteien etwas weiter voneinander entfernt sind als jetzt die zwei Volksparteien in Deutschland, CDU und SPD. Wir würden uns Mitte rechts verorten, die SPD vielleicht Mitte links nach Schröder, sodass wir jetzt auch in dieser großen Koalition doch viele Projekte auch gemeinsam realisieren konnten. Wir haben ja einiges zusammen auch erreicht jetzt mit dieser SPD. Wir haben zum Beispiel den Mindestlohn eingeführt jetzt im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir haben das geschafft, dass wir keine neuen Schulden mehr machen jetzt in drei Haushalten. Wir haben sogar einen Überschuss erwirtschaftet. Also es zeigt, es gibt schon viele Schnittmengen jetzt auch zwischen den großen Parteien. Deshalb tun wir uns in Deutschland mit einer Zusammenarbeit nicht so sehr schwer. Aber wir sehen jetzt natürlich die Folgen dieser großen Koalition der letzten vier Jahre, nämlich
nämlich ein deutliches Erstarken der kleinen Parteien. Wir haben natürlich im Bereich der Wirtschaftspolitik als Union sehr viel Luft gelassen. Sehr viele Unternehmer waren unzufrieden mit unserer Politik. Die Gastronomen, die Kleingewerbetreibenden, Mittelständler, die Selbstständigen. Und deshalb erklärt sich damit natürlich auch, warum die FDP jetzt wieder von 4,5% auf deutlich über 10% gekommen ist. In meinem Wahlkreis in Stuttgart hat die FDP 16% erreicht zum Beispiel. Alors, je ne connais pas assez bien le paysage politique français pour pouvoir dire des choses très claires, mais il me semble tout de même que le PS et les Républicains sont plus éloignés que la CDU-CSU allemande et le SPD, qui sont beaucoup plus proches. Le SPD reste un parti de centre-gauche et la CDU un parti de centre-droit. Donc il me semble qu'il est plus facile d'avoir une coopération et une coalition entre ces deux partis. Il y avait un certain terrain de consensus possible. Par exemple, nous avons réussi à faire de nombreuses choses au cours de ces quatre dernières années de coalition. Nous avons introduit un salaire minimum. Nous avons réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles dettes pendant trois budgets successifs. Et nous avons même obtenu maintenant cet excédent budgétaire. Donc c'est vrai qu'il était plus simple en Allemagne de coopérer. Néanmoins, ces quatre années de grande coalition ont entraîné des conséquences. On a vu que ça a entraîné la montée des petits partis. C'est vrai qu'aussi que du point de vue de la politique économique, en raison de cette grande coalition, la CDU a laissé de nombreux mécontents, notamment chez les petites et moyennes entreprises, chez les indépendants, chez les petits commerçants, dans le milieu en général de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'un parti libéral comme le FDP a pu repasser de 4,5% à l'échelle fédérale lors des dernières élections à plus de 10% maintenant. Et dans ma circonscription à Stuttgart, le FPD atteint même 16%. Natürlich wird eine Partei aufgrund ihres Programmes gewählt und ihrer Ziele. Aber am Ende ist es in Deutschland schon so, wir wollen eine stabile Regierung bilden. Und da haben wir jetzt ähnliche Situationen wie vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren hatte die CDU als stärkste Partei nur eine Option, das war eine Regierung mit der SPD zusammen. Das hat uns ein Stück weit, ich will nicht sagen erpressbar gemacht, aber zumindest war unsere Verhandlungsposition geschwächt. Das heißt, wir mussten der SPD, die fast nur die Hälfte der Stimmen von uns hatte, am Ende sehr viele Zugeständnisse machen, zum Beispiel im Bereich der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation, nachdem die SPD sich einer Koalition verweigert, dass wir letztlich nur eine einzige Regierungsmehrheit haben in Deutschland, wenn wir die AfD, die Rechtspopulisten jetzt außen vor lässt, die war nie Diskussion für eine Koalition. Und das ist eben dieses sogenannte Jamaika-Bündnis, also eine Koalition zwischen der CDU, der FDP und den Grünen. Und das ist natürlich jetzt was vielen Konservativen schon auch Sorge macht. Aber im Bemühen, eine stabile Regierung zu schaffen, werden wir eben auch hier Kompromisse finden müssen. Und ein ganz zentrales Thema wird sicherlich, Sie haben es angesprochen, die Flüchtlingspolitik sein. Wo wir jetzt zwischen unserer Schwesterpartei, der Christlich-Sozialen Union in München, die schon seit 2015 eine Zuzugsbegrenzung, eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen fordert, und der Grünen Partei, die eine sehr liberale Flüchtlingspolitik fordert, sicherlich ein ganz schwieriges Thema bekommen werden jetzt für die Koalitionsverhandlungen. Aber am Ende steht eben immer das Bemühen, eine stabile Regierung zu bilden, eine stabile Regierungsmehrheit zu bilden im Vordergrund. Und die Parteien müssen sich dann eben arrangieren, durchaus unter Aufgabe auch ihrer programmatischen Ziele. Bien sûr, un parti, lorsqu'il est élu sur un programme, mais en Allemagne, il est très important d'être capable de former un gouvernement stable. Il y a 4 ans, la CDU était dans une position difficile puisqu'il n'y avait qu'une seule possibilité de coalition, la grande coalition entre CDU et SPD. Du coup, nous étions dans une position de négociation affaiblie alors que la SPD avait 2 fois moins de voix que la CDU. Nous avons dû donc faire un certain nombre de concessions, notamment en matière de politique économique et en matière de politique de marché du travail. Cette fois-ci, nous nous retrouvons dans une position similaire puisque le SPD a affirmé ne pas vouloir entrer dans une nouvelle grande coalition avec la CDU. Reste donc une seule possibilité si l'on considère qu'une coalition avec l'AFD et l'extrême droite est impensable. C'est ce qu'on appelle en Allemagne la coalition jamaïque, c'est-à-dire une coalition entre CDU, entre FDP, le Parti libéral, et entre les Verts. Pour beaucoup de membres de mon parti, cela pose un certain nombre de problèmes, mais il va falloir chercher et trouver des compromis.
Une des grandes questions qui va poser problème restera probablement la question de la politique vis-à-vis des réfugiés, puisque le parti sœur de la CDU en Bavière, la CSU, demande un plafonnement du nombre de migrants pouvant arriver en Allemagne, alors que les Verts sont pour une politique migratoire d'ouverture. Mais dans tous les cas, l'objectif principal restera d'avoir un gouvernement stable et une majorité de gouvernement, c'est ce que souhaitent les Allemands, et c'est au parti ensuite de faire les compromis nécessaires. Alors, comme il y a une matinée très dense, je vais juste, s'il y a une ou deux questions, voilà. Alors c'est, mais bon, monsieur essaye de poser à chaque atelier une question, on va enfin lui donner le micro. On regrettera peut-être, mais court, hein. Oui, merci. Oui, merci. Oui, c'est la première fois que je prends la parole ici. Je voulais juste dire que je voulais commenter ce qu'il a dit, monsieur le maire, tout à l'heure. Le parti Les Républicains, avec 20%, n'est pas mort. Au contraire, nous avons peut-être... Moi, j'ai rejoint le parti récemment, surtout pour Valérie Pécresse. Nous avons peut-être... Les Républicains ont peut-être perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre, parce que la guerre, c'est les terroristes. Et nous sommes en guerre. Le procureur Molins l'a encore dit hier. Et je pense que les valeurs de la droite et des Républicains, il faut les dire, les afficher sans aucun problème. La France a des racines chrétiennes, il faut le dire. La France, les Républicains, c'est le travail, il faut le dire également. Et voilà, quand on voit des jeunes qui font la prière sur la bande d'arrêt d'un autoroute ou sur les rues de Clichy, ben moi je trouve ça, c'est pas un acte religieux, c'est un acte politique. Et voilà, je voulais juste poser une question pour terminer. Je voulais savoir, moi j'étais présent à l'hommage national des victimes antiterroristes. Et donc cet hommage-là, 3 jours avant, le président de la République il a reçu l'émir de Qatar. Et pour moi, il a fait un hommage national à l'émir de Qatar et pas aux victimes des terroristes. Merci. Oui, bonjour, ma question est... Comment en France, qui est spécifique, éviter le fractionnement des droites? Parce que malgré tout, les gens qui s'appellent constructifs sont quand même des gens de droite. Alors, n'est-ce pas la grande, le grand défi que nous avons à droite d'essayer de trouver, malgré tout, un compromis? Oui, bonsoir. Bonjour, pardon. Moi, il y a une chose qui m'inquiète un peu quand même, parce que M. Macron, il a vendu Alstom aux Allemands Siemens pour faire fusion. Je pense qu'il a des idées aussi pour peut-être vouloir changer l'Europe, mais là, il va être totalement freiné parce que Mme Merkel n'est pas en position de force avec cette nouvelle cohabitation. Et donc... il faut savoir une chose, c'est que les Allemands, quand ils disent, c'est pas la peine de séduire Madame Merkel pour lui vendre toutes nos industries, dans la mesure où les Allemands, quand c'est non, c'est non. Et je suis désolée, elle ne cédera pas. Donc ça, pour moi, c'est très choquant. Voilà. Jean-Philippe Hubin, juste une question à notre ami allemand. Est-ce que vous croyez pas quand même que le centre de la défaite de Mme Merkel, parce qu'en fait c'est une défaite, quand on est passé de 42 à 32% des voix, on a une défaite. Est-ce que vous croyez pas que le centre de la défaite de Mme Merkel, c'est pas le problème des immigrés? J'essaye juste un peu de synthétiser, mais il y avait la question sur la souveraineté de la France, mais enfin, on voit bien que la question des immigrés, elle est majeure, et on l'a depuis cette question, depuis le début de ces ateliers. Je ne sais pas, Dominique Régnier, comment, si vous avez une réaction là-dessus pour essayer de répondre à cet état d'esprit, en tout cas, qui ressort. Ben, il y a quelque chose qui frappe tout observateur, c'est...
les questions liées au phénomène migratoire sont des questions constantes dans la politique. Les sociétés sont vivantes, elles sont mobiles. Nous avons en Europe, depuis quelques années, pour des raisons géopolitiques que chacun a à l'esprit, nous avons des phénomènes migratoires beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants et qui déstabilisent les sociétés européennes. Ce qui frappe quand on a dit ça, c'est que dans aucun pays d'Europe, à ma connaissance en tout cas, dans aucun pays d'Europe, il n'a été possible à ce sujet d'avoir un débat posé. Dans aucun pays d'Europe, quand on parle du partage parti de gouvernement, parti populiste, l'espace public ne permet pas là-dessus un débat raisonnable. Vous êtes assigné à une opinion, souvent radicale, ou à une autre également radicale. On n'a pas été capable, et les gouvernants n'y sont pas arrivés non plus, ou n'ont pas essayé, on n'a pas été capable de traiter les flux migratoires comme un problème de politique publique qui se pose de manière indiscutable, à quoi il faut évidemment répondre avec des procédures, avec des principes, mettre en place des politiques nationales, des politiques européennes avec des moyens, etc. Ça se fait d'une façon très technique en dehors de tout débat politique, et les débats politiques ne sont rien d'autre que de très puissantes confrontations totalement vaines qui exacerbent les passions, qui divisent les opinions et qui ne débouchent sur aucune décision intelligente, aucune décision pratique utile, rien. On fait de la politique avec ça, mais on ne conduit pas une politique. C'est ça qui me frappe le plus. Je trouve ça, c'est même une faute morale collective. C'est un grand sujet, il faut en parler posément, il faut en parler obligatoirement et... si vous voulez, au fond, moi, il se trouve que la fondation dont je suis le directeur, la Fondation pour l'innovation politique, on publie depuis hier, on a sorti en librairie hier un livre qui s'appelle « Où va la démocratie ?». On a fait une enquête dans 26 pays différents, dont la France, avec l'Institut Ipsos, et on a posé des questions sur ces trois sujets, sur beaucoup de sujets, mais notamment sur trois, qui sont les migrants, les réfugiés et l'islam. On a donc plus de 20 000 personnes qui ont été interrogées par Ipsos. Les choses sont très claires. Je voudrais juste vous donner cette information-là. L'opinion des Européens, les Français, les Allemands, etc., l'opinion des Européens sur ces sujets-là, c'est très simple. Il n'y a aucune expression de racisme ou de xénophobie. Aucune. Il y a des préoccupations, des inquiétudes, des peurs. Comment fait-on ? Comment va-t-on faire demain ? Qui s'en occupe ? Est-ce qu'on s'en occupe bien ? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ? Quelles sont vraiment les décisions ? Est-ce qu'on peut en parler ? C'est ça qui domine. C'est ça qui domine. Et il y a même, s'agissant des réfugiés, parce qu'on a interrogé sur les réfugiés, le sentiment largement majoritaire, mais plus de 80%, c'est qu'il y a un devoir d'accueil. Il y a de la compassion, évidemment. Évidemment. Mais en même temps, on ressent des problèmes de cohabitation, des problèmes de conflits interculturels. L'islam fait peur, par exemple. Les personnes que nous avons interrogées disent avoir peur de l'islam à cause du terrorisme, monsieur, vous en parliez à l'instant, à cause de ces associations qui sont, nous le savons tous ici, des associations qu'on ne va pas généraliser, mais qui, en fait, fonctionnent malgré tout comme des points de support à des peurs qui sont éprouvées. Si on ne sait pas traiter cela, le poser de manière paisible, en discuter de façon ordonnée, objective, en décrivant et en proposant ensuite des solutions, il n'y aura pas de sortie de cet état d'angoisse. Et nous fabriquerons ensuite des débats politiques où s'affronteront des personnes raisonnables qui diront des choses raisonnables, mais qui jamais ne seront capables de convaincre une partie de l'électorat qui aura été chauffée à blanc par des démagogues. Vous savez comment ça marche, vous savez parfaitement comment ça marche. Des yaka faucons, des discours à l'emporte-pièce qui seront toujours utilisés pour mettre en difficulté ceux qui ont la charge de gouverner ou qui aspirent à gouverner et qui, par définition, se tiennent à des discours plutôt modérés. Et donc, le déséquilibre, il sera là. Et je termine en disant qu'il y a quelque chose qui apparaît. Oh, c'est très simple. Vous allez voir dans l'enquête qu'on a menée. Il y a une demande de réciprocité. C'est-à-dire, nous sommes un continent accueillant. Et moi, je vous le dis, j'aimerais qu'on me donne, dans le monde entier, un espace géographique
qui a des leçons à nous donner en matière d'accueil. Nous sommes souvent critiqués, mais je ne vois pas quel est l'espace plus libre, plus démocratique, plus généreux, plus accueillant que l'espace européen. Il faut quand même rappeler ça, parce que c'est un peu accablant sinon. C'est un peu accablant. Mais il y a une demande de réciprocité qui est énoncée de manière très, très, très simple. C'est-à-dire, nous sommes accueillants, nous souhaitons accueillir des réfugiés, il n'y a pas de fermeture de ce point de vue-là. Nous souhaitons que cet accueil se fasse dans le respect des principes et des valeurs du pays d'accueil. C'est assez simple, en fait. Ce n'est pas simple à faire, mais c'est assez simple de l'énoncer. Et cette demande, vraiment, mot de conclusion là-dessus, cette demande, elle est tellement légitime, de bon sens, que si elle n'est pas satisfaite, évidemment, elle conduit au retrait de la vie politique par l'abstention ou à la protestation par le vote populiste. Merci. Très court, désolé, parce qu'on doit laisser la parole ensuite pour l'autre atelier, très très court sur cette question de l'accueil des migrants et des réfugiés. Ja, also, Professorin Jede, sehr vieles gesagt, was auch für Deutschland gilt, um Ihre Frage zu beantworten. Natürlich ist ein Teil der Niederlage der CDU Ursache der oder auf die Flüchtlingspolitik zurückzuführen und auf das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich auf die Sorge der Bürger um ihre Sicherheit, um den Verlust der kulturellen Identität. Es sind eben Menschen mit muslimischem Glauben, die nach Deutschland kommen, die auch sehr viele Kinder natürlich haben. Wir haben in Deutschland schon sehr viele Muslime. Und diese Sorge, dass irgendwann eine Kultur in Deutschland auch zahlenmäßig sozusagen Überhand gewinnt und unsere gewachsene christliche, abendländische Kultur sozusagen nicht mehr im Vordergrund steht, die beschäftigt schon viele Menschen und natürlich auch soziale Verteilungsfragen. Wir behandeln anerkannte Flüchtlinge in Deutschland ähnlich wie jetzt Arbeitslose, also Hartz-IV-Empfänger. Und da gibt es natürlich viele Verteilungsfragen um Kindergartenplätze, um Sozialwohnungen und um günstigen Wohnraum. Und all das führt natürlich zu Unruhen. Insofern haben Sie natürlich recht, 900.000 oder 1 Million Flüchtlinge in 2015 sind sicherlich ein Grund dafür, dass wir jetzt auch eine starke AfD in Deutschland haben. Aber es ist eben auch, was ich gesagt habe, die FDP stark geworden aufgrund unserer wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Also insofern, es hat nicht nur einen Grund, dass wir jetzt 10% schlechter geworden sind. Aber die Frage, wie wir mit der Flüchtlingspolitik umgehen und ob wir es schaffen, letzter Satz, eine europäische Flüchtlings- und Asylpolitik zu schaffen, mit auch einer, sage ich mal, gleichmäßigen Verteilung auch der Flüchtlinge, die natürlich nicht nur Kriegsflüchtlinge sind, sondern vielmehr noch Wirtschafts- und Wirtschaftsflüchtlinge. Das wird die große Herausforderung sein und das beschäftigt natürlich auch die deutsche politische Debatte. Bien, de nombreux des éléments que vous avez déjà évoqués s'appliquent également à l'Allemagne. Alors pour revenir à la question qui venait de ce côté-là, bien sûr, la défaite de la CDU est en partie liée à notre politique des réfugiés et c'est lié à ce que vous avez dit également, la peur des citoyens pour leur sécurité, la peur de la perte de l'identité culturelle, puisque de nombreux de ces réfugiés qui arrivent sont de confession musulmane, ils ont également beaucoup d'enfants et nous avons déjà beaucoup de musulmans en Allemagne, donc est présente en Allemagne l'idée que notre culture majoritaire, notre culture chrétienne, notre culture occidentale pourrait ne plus être majoritaire. Et puis en plus, il y a la question tout simplement du partage des ressources, puisque les réfugiés qui arrivent ont le droit aux minima sociaux, le Hartz-IV, qui est l'équivalent allemand du RSA, il y a la question du logement social. Et donc, bien sûr, ces 900 000 à 1 million de réfugiés qui sont arrivés en 2015 sont une des raisons de la montée de l'AFD. Mais comme je l'ai dit, nous avons aussi le FDP, Parti libéral, qui a gagné des voix en raison de notre politique économique. Donc il n'y a pas qu'une raison pour cette baisse de 10% des voix lors des dernières élections. Sur la question de la politique des réfugiés et de la politique d'asile, je pense que nous avons besoin d'une politique européenne avec une répartition qui soit juste. Et il ne faut pas oublier non plus que les réfugiés qui viennent sont non seulement des réfugiés qui fuient la guerre, mais aussi qui fuient des mauvaises conditions économiques. Merci. Bah écoutez, merci à tous pour ce débat qui est encore très intéressant. Et nous accueillons Florence Berthoud, donc nous allons enchaîner. Bien, merci à tous les participants à ce premier débat tout à fait passionnant. Merci d'être si nombreux.
n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Il y a quelques chaises là devant, si vous pouvez approcher. Voilà, nous allons passer donc à la deuxième partie de nos aïeux de la refondation que nous organisons grâce, bien sûr, à l'initiative de Bernard Accoyer, qui les a lancés juste après notre défaite électorale. Et puis merci aussi à Vincent Roger, notre directeur général, de les organiser. Je voudrais citer aussi les élus qui sont présents, notamment Catherine Dumas. Je félicite pour son élection au Sénat. On peut l'applaudir, bien sûr. Florence Berthoux, Jean-François Lamour nous ont rejoints. Je vais demander aux orateurs de bien vouloir revenir, notamment à Éric Routier, qui est l'auteur maintenant célébrissime de Notre-Dame de Paris, donc vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait un travail tout à fait formidable. Et je vous signale aussitôt que nous pourrons, vous pourrez acquérir cet ouvrage ici même et le faire dédicacer. Merci à Guillemin de venir, Valérie Montandon, qui sont là aussi, ainsi que le maire du 17e. Que je salue également, et d'autres sans doute qui sont dans la salle. Oui, applaudissez-les tous. Voilà. Juste quelques mots d'introduction. Il me revient une anecdote dont se souviennent sans doute les conseillers de Paris ici présents. C'était une des dernières séances du Conseil de Paris, où Bertrand Delanoë présidait encore les séances. C'était juste avant son départ. Et vous vous en souvenez sûrement, enfin... ce qui était, il s'était un peu lâché et il avait dit « Vous verrez, vous allez me regretter. » Alors bon, je n'irai pas aussi loin. D'ailleurs, vous auriez vu la tête qu'a fait Anne Hidalgo à ses côtés à ce moment-là. Évidemment, c'était plaisant à voir. Mais sans aller aussi loin, il est vrai que c'est quand même du lourd, ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, parce qu'on peut dire que bon, on ne regrette pas Delanoë, bien évidemment, mais que la politique qu'il menait a été aggravée par l'action de celle qui lui a succédé. Parce que si je pose quelques questions à la salle, la première étant « Vit-on mieux aujourd'hui à Paris qu'hier ?» La réponse est non. Est-ce qu'on circule mieux aujourd'hui qu'hier ? Bon, là, c'est la grosse rigolade. Est-ce qu'on paye moins d'impôts aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que les tarifs municipaux ont baissé ? Est-ce qu'on se loge plus facilement et pour moins cher à Paris aujourd'hui qu'hier ? Enfin bref, on peut multiplier les questions et vous avez évidemment les réponses. Je suis d'ailleurs plus inquiet encore depuis hier. Pourquoi depuis hier ? Parce que hier, il y a eu la recomposition de l'exécutif municipal. Nous avions une séance extraordinaire du Conseil de Paris, puisqu'après l'échec, il n'y a pas quelqu'un qui a échoué, il faut bien le reconnaître, aux élections législatives. Du Parti socialiste. Anne Hidalgo a reformaté son exécutif municipal. Elle a donc nommé des adjoints. D'ailleurs, sur un plan juste comptable, c'est un exécutif tout à fait pléthorique, puisqu'elle est passée de 21 à 27 adjoints, plus 5 conseillers délégués. Donc bientôt, ceux qui ne seront pas adjoints aux conseillers délégués dans cet exécutif municipal, c'est qu'ils ont des problèmes avec la justice, je ne sais quoi, mais ce n'est pas possible autrement. Donc c'est un exécutif pléthorique, c'est de la tambouille politicienne, comme dirait Florence Berthoux, du tripatouillage. Voilà, c'est du tripatouillage. Il a fallu donner des sucres d'orge à tout le monde, etc. Enfin, ça ne correspond pas du tout aux besoins des Parisiens, surtout quand on voit les délégations qui sont derrière, qui ont été attribuées à ces élus. Et en plus, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a vraiment un gauchissement de l'équipe municipale. Parce qu'elle a mis, elle a ajouté, disons, des adjoints qui sont vraiment l'extrême gauche, soit communiste, soit verte, du Conseil de Paris. Donc ce qui s'est passé hier est assez grave, à mon avis. D'ailleurs, la presse commence à en parler, mais il faut que nous le disions autour de nous. Voilà. Donc pour évoquer tous ces sujets, nous ne pouvions pas faire mieux que faire appel à Éric Routier, qui est l'auteur, comme je le disais tout à l'heure, de cet ouvrage qui est en vente dans cette salle, comme on dit, et qui va maintenant s'exprimer devant vous. Nous aurons ensuite là le débat, beaucoup de questions. On laissera, contrairement à la première partie qui était passionnante, mais qui nécessitait l'intervention d'experts, on laissera beaucoup plus de temps à la salle pour que vous puissiez exprimer votre ressenti de la politique municipale. J'ai une petite idée là-dessus, d'ailleurs, sur ce que vous allez dire.
Et puis ensuite, on essaiera de lever la séance vers midi moins le quart, en tout cas, dès l'arrivée de Valérie Pécresse, qui conclura pardon, nos travaux. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci à Florence Berthoud, qui est la maire du 5e arrondissement et la présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, pour leur présence. Et merci à M. Héry Routier, qui nous fait le plaisir d'être présent ici aujourd'hui. C'est très important, parce que je tiens à préciser une chose, c'est que M. Routier, vous n'êtes absolument pas un militant, vous êtes un journaliste, parce qu'une fois que votre livre était paru, on a entendu un certain nombre de choses, un certain nombre de critiques, comme quoi vous prenez parti contre Mme Hidalgo, mais vous avez fait votre travail de journaliste, et un travail de journaliste, c'est un travail objectif, et finalement, ce que vous racontez dans les coulisses de la gestion de la mairie de Paris, finalement, vous n'inventez rien, et vous ne faites qu'une analyse des faits, et vous en développez véritablement votre analyse. Il faut savoir une chose, c'est que Mme Hidalgo n'a finalement jamais été élue au suffrage universel direct. Et je vous avoue, je ne cache pas mon plaisir de le dire ici, dans le 15e arrondissement, et à côté de Philippe Goujon, qui l'a battu avec 63% des voix lors des dernières élections municipales. Alors, comme je le disais, et comme l'a très bien dit Philippe, ça sera l'occasion, dans cet atelier, dans cette table ronde, de faire un échange avec vous, et nous allons pouvoir parler de la gestion parisienne de la ville de Paris. Et pour le coup, on ne va pas être déçus, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire, et il y aura tout un tas de thèmes à évoquer, et on aura l'occasion de le faire ensemble. On pourra évoquer, par exemple, la mise en péril des finances de la ville de Paris. Sachez, par exemple, que l'endettement de la ville de Paris est passé de 1,1 milliard en 2001 à 5,7 milliards en 2017. Alors, rassurez-vous, et 7 milliards à la fin du mandat de Mme Hidalgo. Alors, finalement, on peut se dire que l'endettement public d'une mairie, c'est peut-être pas si mal, mais croyez bien qu'ici, l'endettement qui est fait à la mairie de Paris, c'est pas pour préparer le Paris du 21e siècle, c'est surtout pour financer un système obsolète qu'on maintient, et c'est surtout aussi pour arroser les camarades via un certain nombre de subventions qui aussi ont explosé. Elles étaient de 130 millions en 2001, elles sont aujourd'hui à plus de 300 millions en 2017. Et naturellement, c'est pour financer des associations aussi objectives et indépendantes que l'UNEF ou ATTAC. On pourra évoquer aussi la politique du logement de Mme Hidalgo, où finalement, là aussi, on est sur une marche forcée vers le logement social. Le niveau légal, comme vous le savez tous, est de 25% dans une ville pour les taux de logements sociaux. Sachez que l'objectif que s'est fixé Mme Hidalgo, elle, c'est 30%. Donc naturellement, il faut toujours faire mieux, toujours faire de l'excès de zèle vis-à-vis des normes qui peuvent empêcher et emmerder finalement les Parisiens au quotidien, pardon. L'expression. Enfin, vous connaissez tous aussi Mme Hidalgo et vous connaissez tous aussi son sectarisme. Et je pense qu'on pourra évoquer aussi un sujet très intéressant qui est sa politique concernant l'écologie. Elle ne pratique pas une écologie positive où finalement chacun pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'effectivement il faut moins de voitures. Non, elle applique une politique écologique punitive, où l'objectif est de punir tout le monde, parce que finalement, c'est mal d'être un conducteur à Paris, et ce qui engendre un certain nombre de problèmes, et on pourra évoquer tout cela. Et ensuite, on pourra peut-être aussi évoquer l'esprit manichéen et méprisant de Mme Hidalgo, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sorti votre livre, vous ne racontez finalement que des faits, et ce qui se passe vraiment à l'hôtel de ville, finalement, on s'est rendu compte qu'on verse rapidement dans l'insulte quand on va à l'encontre de Mme Hidalgo. Alors, je vais peut-être vous poser la première question. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à écrire ce livre ? En septembre 2016, j'étais en voiture avec ma co-auteure et on est resté... Oui, ça marche.
Oui, j'étais en voiture avec ma co-auteur et on s'est retrouvé bloqué. Et on a été tout à fait, tout d'un coup, surpris. Je m'occupais pas de Paris, de la Noé, ça m'avait pas vraiment intéressé. J'avais un peu râlé contre les couloirs de bus, mais bon, c'était l'époque. Et le décalage incroyable entre la violence de la fermeture brutale des voies sur berge, rive droite, et le discours lénifiant, bienveillant, mollasson, inclusif, avec sa novlangue, tout est inclusif, tout est parfait, tout est l'économie participative, elle n'est pas prédatrice, toute espèce de pathos invraisemblable, de bienveillance et de démagogie, et la violence de l'acte, je me suis dit, il y a un os, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vous le dis tout de suite, elle aurait été droite, j'aurais fait la même chose. Elle n'aurait pas fait la même chose, mais moi, la démarche était simple, c'était qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui parle comme un curé des années 30 et qui est d'une violence, d'une violence incroyable, qui ne demande son avis à personne. Enfin, bon. Alors, très vite, on a décidé de faire un bouquin. Et on a commencé, comme tout le monde, sur la circulation. Et très vite, on s'est rendu compte que la circulation n'était que la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait, on avait une mairie qui était totalement mal gérée. La ville, d'ailleurs, c'est Mme Berthoud qui m'avait alerté là-dessus, m'a dit « le vrai problème, c'est la saleté ». On s'est rendu compte, alors on a gratté que Paris est sans doute la capitale la plus sale d'Europe, mal entretenue. On s'est rendu compte aussi, alors là je vous donne ça en désordre, mais qu'il y avait un plan propreté tous les ans et que c'était un copier-coller de celui de l'année précédente avec 100, 250 embauches de plus qui ne servaient strictement à rien. Donc on s'est rendu compte de la pétaudière et... En avançant, donc, on a découvert sur le logement totalement provocateur, cette espèce de truc qui était connu, mais il suffit de les mettre en perspective. Mais le fait de piquer au HLM 300 millions une année ou 270 millions l'année suivante, non pas pour remplir le trou de la gestion qui est de 400 millions par an, où on dépense plus qu'on ne gagne. Je veux dire, alors, bien sûr, avec le soutien de François Hollande, qui remercie un chapitre, mais on l'a diffusé. C'est mon tome 2. Hein? Non, on l'a diffusé. Mais on peut difficilement aller plus loin sans être attaqué. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce livre. On était découverte en découverte. Alors, ce qui s'est passé, ce livre marche bien. Il a été en tête des ventes. On a été très, très étonnés que de l'impunité, et là, je fais le reproche à la droite parisienne, je veux dire, il ne s'est rien passé pendant 3 ans, elle a fait n'importe quoi, et vous savez que Paris, c'est, de mon point de vue, c'est pas une ville, c'est une entreprise de communication, hein, donc ça a fonctionné, et donc ce livre marque un basculement, c'est-à-dire qu'il est sorti. Et tout d'un coup, il s'est vendu très bien. On est à 45-50 000, là, pour l'instant. Il s'est vendu très bien. Et tout d'un coup, le voile s'est déchiré. Et depuis, c'est les critiques, les chansonniers. Bon. Et je pense que c'est un catalyseur et que cette impunité dont elle a bénéficié pendant 3 ans, c'est absolument fini et que maintenant... à mon avis, et je pense que ça va faire sur Madame Hidalgo, ce livre va faire le même effet qu'avait fait la Dame des 35 heures pour Martine Aubry. C'est-à-dire qu'après, plus rien n'a été pareil. Donc je pense, moi, qu'en clair, qu'elle est cuite. Florence ? Alors, ouais, je l'avoue, on s'est vu assez longtemps avec Eri et Caroline. D'ailleurs, je vous avais parlé de la propreté en disant, vous allez voir,
c'est le début du fil d'Ariane. Il n'y a pas que la propreté. Hein. On a parlé de plusieurs sujets qui sont d'ailleurs bien traités dans le bouquin. Il y a évidemment le cas de la propreté, on pourra y revenir. Je préside une mission d'information et d'évaluation. Mais on est dans le déni permanent. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une grosse entreprise de communication qui, d'ailleurs, dont on ne sait pas combien elle coûte, hein, parce qu'il n'y a pas un budget communication. Il faut savoir que vous avez un budget communication à la ville et puis vous avez des budgets communication à peu près partout. Voilà. Et puis là, ce livre arrive opportunément à un moment donné où les Parisiens se rendent bien compte qu'on leur fait dire et on les fait parler sur une espèce de satisfecit général qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent en matière d'accès au logement, ce qu'ils vivent en matière de sécurité des espaces, ce qu'ils vivent en matière de coût de la vie, parce que le coût de la vie est de plus en plus cher, ce qu'ils vivent sur, évidemment, on le disait, la propreté. Donc, ça arrive un moment opportun, puis un moment aussi où c'est vrai, peut-être que on a envie, nous tous les élus de droite, et évidemment tout particulièrement les LR, de la jouer vraiment collectif et de faire vraiment front. Moi, je suis arrivée en politique à un moment donné où Delanoë venait d'être élu maire, et sans doute que je fais partie, comme d'autres bien sûr, mais on est de plus en plus cette génération de politiques qui n'a vécu que l'opposition, et on n'en peut plus. Donc, on a envie vraiment de la bouter hors de Paris. Voilà. Et c'est une vraie envie, parce que peut-être c'est vrai, faisons un mea culpa, puis après on va passer à autre chose. Peut-être qu'il y avait un petit confort. Bon, il n'y a pas du tout aujourd'hui de confort. Moi, je vois des élus qui se battent, soit parce que ce sont les leaders de l'opposition dans leur arrondissement. Alors, évidemment, je ne vais pas tous les citer, je vais faire des jaloux, mais quand je vois, par exemple, le travail extraordinaire que fait Valérie Montandon, moi, je suis sûre, Valérie, que comme tu as faim, tu finiras par y arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme présidente de groupe, une des premières choses que j'ai proposées au groupe, c'est qu'on fasse un pôle de la reconquête avec des moyens dans notre groupe qui sont fléchés sur ceux et celles qui sont dans l'opposition et qui se battent en plus dans leur arrondissement. Je voudrais revenir sur une petite histoire qui est celle que tu as racontée, Philippe, et que tu as évoquée. On a quand même, et c'est tout à fait inédit, nous avons comme maire de Paris une personne qui n'a jamais réussi, jamais à se faire élire, ni à la mairie, puisque tu l'as battue à plate couture. C'est quand même assez révélateur, ni aux législatives. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus. C'est que le local au local, vous ne pouvez pas tromper les lecteurs. Vous n'avez pas une grosse entreprise de communication qui explique un peu ourbi et orbi, ben que non, comme je l'entends en président la mission d'information et d'évaluation, j'ai entendu ça des collègues uniquement de gauche. Hein. La propreté, SIC, c'est une affaire de subjectivité. Alors, moi, j'ai menacé à un moment donné d'arrêter la présidente. J'ai dit, écoutez, bon, la présidence d'une mission d'information, il faut d'abord qu'on fasse un diagnostic, donc on ne va pas politiser le truc, mais ne démarrez pas, chers collègues de la majorité municipale, en expliquant que la propreté est une affaire de subjectivité. Soit le papier, il est là, soit il n'est pas là. Soit enfin on s'attaque au nerf de la guerre, qui est la capacité à organiser des services qui par ailleurs sont importants, mais où il y a des chefs, et où en général, ceux qui sont incompétents sur le terrain, je vous signale qu'on les met dans les ateliers comme encadrants. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que la propreté ne fonctionne pas à Paris. Alors, qu'est-ce que fait cette dame, qui est notre drame collectif, pour se faire élire? Elle lit Le Prince de Machiavel, et elle va aller voir ceux qui n'ont pas envie d'elle, a priori, sur la gauche de la gauche. Et elle va voir surtout les plus ultras, car elle sait qu'elle est minoritaire. Et elle va voir les fronts de gauche communistes, et elle va voir les partis ultras des Verts. Et elle sait l'impact, et Philippe Goujon y a fait allusion tout à l'heure, elle a refait le coup là au milieu de son mandat, et ce qu'elle est allée chercher, c'est pas la droite de sa majorité. Bon, d'ailleurs, elle n'en a pas. Mais elle va voir la gauche de sa majorité. Elle va voir la gauche de sa majorité, ce qui fait qu'après, elle est sous influence. Et il y a deux secteurs prioritaires où elle est totalement sous influence. Deux secteurs majeurs. Il y a celui du logement,
qui est une calamité, le logement, puisque on prépare un contre-bilan, elle n'a pas créé, elle a créé beaucoup moins de logements que sous les maires précédents. Alors on va pas revenir, on pourra y revenir à travers les questions, avec une mécanique qui est quand même une mécanique redoutable. C'est-à-dire qu'on dépense, par exemple, 180 millions par an, vous entendez bien, 180 millions par an à acheter des logements qui sont quasiment totalement occupés dans le parc privé. Alors peu importe que ce soit dans le 16e, dans le 5e, la réalité c'est qu'elle achète des logements privés. Elle ne crée pas un logement, ça coûte 180 millions d'euros, c'est-à-dire que ça vous coûte, ça nous coûte 180 millions d'euros. Éric a parlé tout à l'heure du conventionnement, c'est exactement la même chose. On ne crée pas de logement, mais on fait passer, si vous voulez, hein, quelque chose qui était d'une couleur, vous le faites passer ailleurs, mais vous n'avez pas créé de logement pour autant. Ce parc-là, il existait. C'était déjà du parc privé, certes, de la ville. Vous le conventionnez, c'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que l'étiquette a changé. Mais vous n'en avez pas créé en plus. Bon. Et en plus, non seulement c'est du logement fictif, comme tu le dis très bien, mais en plus, figurez-vous que pour ce beau cadeau empoisonné, les bailleurs sociaux doivent verser de l'argent à la ville qui vient, évidemment, boucher les trous. Bon, alors, pardon, cher Éric, vous avez dit, bon, l'opposition, on ne l'a pas beaucoup entendue. Franchement, on l'a quand même entendue, mais moi, je vais vous dire, les journalistes, faisons notre examen de conscience collectif, on ne les a pas beaucoup entendus. Sur le conventionnement qui était un scandale technique, autant que politique, j'attends désespérément, on est en train de s'en occuper au groupe, qu'il y ait un papier de fond dans les Échos pour expliquer ce qui est quand même très limite avec les règles de l'orthodoxie budgétaire, au-delà du scandale politique. On ne l'a pas vu. Donc ça, c'est pour le côté front de gauche et M. Yann Brossat, que vous n'avez pas le plaisir de fréquenter, que nous avons le bonheur de fréquenter, je peux vous dire, au Conseil de Paris, c'est une abomination. Et alors, il y a les Verts. Mais ce n'est pas les Verts. Moi, j'adhère à une écologie pragmatique. Je trouve que, par exemple, introduire du végétal, de la biodiversité, comme d'autres élus, on est évidemment favorable à ça. Évidemment, d'ailleurs, ce n'est pas si évident, mais il s'avère que les élus, tu le portes dans ton arrondissement le 17e, tu le portes dans le 15, nous le portons dans nos arrondissements. Mais là, ce n'est pas une écologie de la diversité. Ce n'est pas une écologie de l'inclusion, comme dirait Madame Hidalgo. C'est une écologie punitive et dogmatique. Alors, je vais vous raconter juste une anecdote. Nous allons devoir, sans doute, subir des aménagements forcés du fameux réseau REV. Alors, REV, ça fait partie aussi de la novlangue. C'est-à-dire, quand on vous dit réseau REV vélo, vous voyez, vous avez envie de regarder au ciel. Et puis après, quand vous regardez le linéaire, là, vous ne rêvez plus du tout. Parce que ça consiste, dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire avec la fermeture de la voie Georges Pompidou, où on s'est opposé hein, de toutes nos forces. On s'est opposé, non seulement on s'est opposé, mais c'est la première fois dans l'histoire parisienne qu'un commissaire enquêteur, vous entendez bien, un commissaire enquêteur qui d'ailleurs n'avait pas vu les élus de droite que nous sommes. Donc on ne peut pas imaginer que celui-là, il a été sous influence. Il a fait un rapport à charge pour dire qu'il ne faut surtout pas fermer la voie Georges Pompidou. Qu'à cela ne tienne, elle ferme la voie Georges Pompidou. Entre-temps, elle supprime, sous la pression des écolos verts de M. Nadjotsky, qui est l'autre âme damnée de la direction chaotique et dogmatique de la maire de Paris, elle ferme une voie de circulation auto, ce qui fait que, vous connaissez les embouteillages qui sont pas seulement sur la voie de Rivoli, mais sur des dizaines et des dizaines de linéaires autour, avec une augmentation de la pollution qui a été mesurée. Et on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a fait mesurer la pollution, par exemple, Kéo, rive droite, plus de 50% de dioxyde d'azote en plus, et Madame Hidalgo fait faire des mesures où, sur les quais bas, près de la Seine. Encore heureux qu'il n'y a pas de pollution quand on a fermé la voie Pompidou en bord de Seine. Et elle nous sert,
et elle nous sert un infâme brouet qui dit « Mais non, pas du tout. Regardez, là où on a supprimé, il y a beaucoup moins de pollution. » Voilà, ben on dit « Oui, mais il y a plus 1600 voitures en plus quand même sur le boulevard Saint-Germain. » Ah oui, mais je sais pas si vous, j'ai plus souvenir que vous en ayez, si vous en parlez dans votre bouquin. Et là, on nous sert la fameuse théorie de l'évaporation. L'évaporation, c'est vous avez beaucoup plus de voitures, mais rassurez-vous, rassurons-nous, braves gens, demain, il y en aura beaucoup moins. Moi, voilà. Je voudrais dire un mot sur l'évaporation. L'évaporation, parce que moi, ça m'a blessé. C'est-à-dire que Madame Hidalgo a dit, en mentant d'ailleurs ouvertement, 8 jours après, que la circulation avait diminué et que donc il y avait une évaporation des transports à Paris. Moi, je vais vous dire. Alors ça, de la voiture. C'est personnel, mais il se trouve que j'habite à l'ouest, j'ai deux de mes enfants qui sont à l'est. Je vais moins les voir parce que les petits-enfants, en métro, c'est pas accessible, avec les cadeaux, les poupées et tout. Donc, et je me suis dit tout d'un coup que depuis 2000 ans, on associe la mobilité avec la modernité. Et cette idée de se féliciter de l'évaporation, ça m'a blessé à titre personnel. Et je trouve en plus qu'il y a une conséquence que je n'avais pas mesurée, que je mesure d'ailleurs, quand on ne peut plus circuler dans une ville, ça fait des ghettos, immédiatement. Et donc chaque quartier va devenir un ghetto spécialisé et tout ça. Ce qui est en jeu, c'est la liberté. Absolument. Ce qui est en jeu, finalement, et c'est pour ça que je crois qu'on a une chance historique maintenant de s'en débarrasser. C'est que ce qui est en jeu, vraiment, vraiment, c'est ce qui a forgé l'identité de Paris. C'est exactement ce que dit Héry Routier, c'est-à-dire la liberté. Et moi, je pense que nous, il faut qu'on matraque sur cette idée-là. C'est pas, pardon, plus pro-voiture, pas pro-voiture. D'ailleurs, dans 15 ans, les voitures, elles seront propres. Bon, on n'a pas du tout anticipé ça dans les plans de déplacement. Mais c'est la liberté. La liberté... pour une famille de 4 enfants, de se loger, comme d'ailleurs pour un célibataire ou une, de se loger également. C'est la liberté de circuler. C'est la liberté d'avoir accès à un conservatoire quand on le désire, alors que maintenant, c'est le tirage au sort pour le conservatoire. Bon, donc ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. La question n'est pas d'être pro-riche, pro-pauvre, etc. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une love-langue, et cette love-langue, elle est au service d'un déni permanent de la réalité. Je voudrais vous citer 2 morceaux choisis de la love-langue. Alors... Il y a un chapitre entier. Là. Oui, mais alors, il y a une chose que vous n'avez pas mise. Je reçois, comme sans doute tous les maires d'arrondissement, un courrier de Monsieur Yann Brossa, que je relis 2 fois... Et je dis, mais vraiment, mais de quoi est-ce qu'il me parle? Je voyais bien que c'était du logement. Il me dit que j'ai eu 14 orientations sociales de la surface habitable. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je l'explique à mes collègues maires, qui sont évidemment brillants, mais je ne suis pas sûre que vous ayez forcément compris. Moi, qui suis un esprit simple, je dis, mais c'est quoi ce truc encore? Qu'est-ce qu'il a inventé, là, des orientations sociales de la surface habitable? Chers amis, c'est notre petit contingent de logements quand nous attribuons des logements. Rassurez-vous, on en attribue 10%. Mais ça ne s'appelle pas des attributions de logements. Voilà, quand la ville attribue, c'est des orientations sociales de la surface habitable. Quant à la salle de shoot... Alors, la salle de shoot, ça n'est pas une salle de shoot. Il faut qu'on vous explique, parce que c'est très important de requalifier les mots. Ça s'appelle une salle de consommation à moindre risque. Et donc, c'est tout un programme. Quant aux 34 distributeurs de seringues, encore une fois, il peut y avoir un débat là-dessus, hein, bon, notamment avec les médecins, mais on ne requalifie pas. Il faut appeler une chose, une chose. Alors, les 34 distributeurs de seringues proposés aux toxicomanes, c'est,
elle évoque une implantation harmonieuse. Et évidemment, c'est tout un programme. Quant à la végétalisation des toits, ce sont, écoutez bien, parce que ce sont des topagers, ce sont des topagers pour les pariculteurs, et j'en termine par son projet. Je veux lui céder la parole, parce qu'elle mérite quand même, elle a droit à la défense. Alors pour sa défense, je vais vous dire sur quoi repose son projet dans le texte. Mon projet de Paris, capitale de la participation citoyenne, on aimerait des actions plutôt que la participation, inclusive et attractive dans le texte, repose sur la notion d'interculturalité. Vous avez évidemment tout compris, vous avez vu quel est le projet de Madame la maire de Paris. Bien, je pense qu'on va maintenant passer aux questions de la salle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Valentin qui va vous passer le micro. Oui, hier soir, j'ai entendu M. Jean-François Lamour qui évoquait le fait que Anne Hidalgo n'avait plus de majorité au Conseil. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un espoir de s'en débarrasser avant les élections ? Est-ce qu'elle pourrait... est-ce qu'elle pourrait voir son budget ne pas être voté, par exemple, ou des choses comme ça? Je peux pas répondre à ça. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, bonjour. Merci aux intervenants. Non, elle a réorganisé autour d'elle ce qu'elle appelle sa majorité, c'est-à-dire... une sorte d'agrégation d'intérêts qui sont plus des intérêts locaux que des intérêts liés au développement de la ville. Donc c'est extrêmement fragile. Philippe le disait également hier soir, d'une majorité qu'elle tentait finalement de maintenir comme l'avait fait Delanoë dans une forme de centre-droit gauche, elle est en train de déplacer le curseur vers la gauche de manière très nette. Voilà. Donc ça, c'est plus une majorité. Voilà, c'est un groupe d'intérêts particuliers, extrêmement fragile, qui va subir à la fois les assauts des macronistes et évidemment les nôtres. Donc c'est plus ce que j'appellerais ce qui a permis, c'est peut-être une question que je peux poser puisque j'ai le micro, à Éric Routier et que Philippe a très bien résumé dans son propos liminaire sur ce qu'avait dit Delanoë, c'est quoi la différence entre Delanoë et Hidalgo, puisque finalement Delanoë a été élu, réélu, qu'il a transmis le flambeau et le témoin à Anne Hidalgo, et que nous aussi, il faut qu'on trouve aussi quelques voies d'opposition, mais d'une opposition qui permette effectivement d'offrir une alternative. Donc qu'est-ce qui fait finalement, là, pour vous, hein, oui, j'ai une réponse qui peut être brutale, que je vais dire de façon plus douce. C'est une question de degré d'intelligence. Bon, effectivement, c'est assez violent. Parce que... Effectivement, c'est assez violent. Et bon, enfin bref, c'est aussi peut-être un peu réducteur, mais peut-être. Non, c'est pas réducteur du tout. Non, c'est pas réducteur du tout. Je veux dire que on peut très bien réussir en politique en étant bête comme ses pieds, si on a un certain nombre de compétences, si on a des talents d'apparatchik, si on a tout ça. Mais il y a un moment où ça se voit. Et voilà. Et donc, ça se voit. Donc la réponse est claire. Non, mais voilà. Là, j'espère avoir, en tout cas, je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure sur la majorité, mais voilà. Merci en tout cas de la réponse. C'est effectivement très clair aussi. Oui, alors sur un autre registre, parce que je ne me mettrai pas sur ce terrain-là, bien sûr, c'est vrai qu'on constate une différence d'approche aussi. Je crois que Delanoë avait su, il avait une dimension, c'est vrai, il avait su ouvrir un certain nombre de sujets. C'est vrai que la gauche arrivait au pouvoir après peut-être 100 ans d'opposition, j'espère qu'on y restera moins longtemps, et que donc c'était nouveau, c'était différent. Je pense qu'il avait une ouverture d'esprit quand même qui permettait, d'élégance, d'ouverture d'esprit qui permettait d'évoquer beaucoup de débats. Il y a du sectarisme chez Madame Hidalgo. Enfin, moi qui la connais un peu, pour la rebattue deux, trois fois,
y a beaucoup de sectarisme et de dogmatisme qui n'existait pas complètement, disons. Bon, évidemment, Delannoy est un homme de gauche et bien ancré à gauche, c'est vrai. Mais voilà, on pouvait dialoguer, débattre. Il y avait une ouverture. Il aimait ouvrir des nouveaux chantiers, de nouvelles pistes. Là, il y a non seulement sectarisme, mais il y a dogmatisme. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois sujets sur lesquels elle veut aller à fond, mais de façon très excessive. Par exemple, bien sûr que tout le monde est partisan d'une politique de lutte contre la pollution, évidemment. Sauf qu'elle ne fait pas une politique de lutte contre la pollution, elle fait une politique de lutte contre les automobilistes, vous voyez. C'est ça la différence, un peu. Et dans ce sujet-là, comme dans l'autre, l'accueil des migrants, c'est pareil. Qui peut refuser d'accueillir des personnes martyrisées, persécutées, éligibles au droit d'asile? C'est la vocation, la tradition de la France. Mais elle, elle veut accueillir, elle le dit, tous les migrants. Tous les migrants, tous qu'ils viennent, quels qu'ils soient, les migrants économiques comme les réfugiés de guerre. C'est ça la grosse différence, je pense. Enfin, on pourrait citer d'autres exemples, mais il y a vraiment ça qui est très prégnant. Et puis aussi, le fait qu'elle n'est pas sûre de sa majorité. Ce que disait Jean-François Lamour est tout à fait vrai. Elle la gauchise pour maintenir un semblant d'unité. Delannoy, d'ailleurs, n'avait pas ce problème, puisqu'il avait la majorité dans la mandature présidentielle. En tout cas, il avait la majorité à lui seul avec le Parti socialiste. Là, Anne Hidalgo n'a pas la majorité à elle seule au Conseil de Paris. Il faut qu'elle ait les Verts et les communistes. Donc elle donne aux Verts toutes les embarras de la circulation qu'on connaît, et elle donne à Brossat, aux communistes, eh bien, la stalinisation de la politique du logement, parce que c'est ça, c'est une politique stalinienne, comme on pouvait voir peut-être à Moscou dans les années 30. Donc, ça. Il y a là beaucoup d'excès de sectarisme et de dogmatisme. En tout cas, il se trouve que pour faire le livre, on a été en Tunisie, qu'on a interviewé Bertrand Delannoy. Alors il y a des choses qu'on a pu dire, des choses qu'on ne peut pas dire, mais... parce qu'ils ne nous ont pas dit. C'est ce que vous ne pouvez pas dire. Oui, ben, ce qu'on ne peut pas dire, c'est qu'ils ne la supportent pas. Ils sont très, très fâchés. On a écrit que ben, sa phrase, c'est « Ma responsabilité s'arrête à 2014. Après, je ne commande plus. » Il est quand même un tout petit peu responsable de son accession au pouvoir à la BRI, hein, bon, qui se défausse complètement. Oui et non. Oui et non, parce qu'il avait, pris une plante verte autour de lui. Et puis il a eu cet attentat en 2002 et, ça, et les choses sont passées voilà, comme ça. Mais ce à quoi il faut faire attention, je pense, c'est maintenant vraiment c'est la duplicité du personnage quand même, qui n'est pas sans quelques roueries. Alors c'est peut-être pas de l'intelligence, mais c'est de la rouerie, de la malignité. Par exemple... Je lisais en arrivant son interview dans Le Figaro. Il va falloir faire attention parce que, comme évidemment elle n'a plus de programme, elle va avoir deux objectifs. Le premier, c'est ce que rappelait Jean-François, tenir la majorité qui est à gauche, quoi, ce pivot qui lui permet de continuer à exister. Et puis, elle va nous déverser maintenant... un langage sur « nous devons nous respecter »,« je suis la mère de tous les Parisiens », etc. Elle a commencé à changer son discours. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'on est passé du novlangue, qui est une novlangue pour ne pas dire la réalité, maintenant, à un discours qui est un faux discours de rassemblement. Voilà. On doit écouter l'opposition, alors que par ailleurs, elle nous matraque localement, il faut le savoir. Hein. Elle essaye de mettre le grappin sur tout ce qui concerne, tout ce qui peut aller dans le sens de l'autonomie des arrondissements. Elle a essayé de mettre la main sur la politique d'attribution des places en crèche. Ça n'a pas marché. Maintenant, elle essaye de faire ça sur les cantines, sur les caisses des écoles. C'est vraiment une obsession chez elle, de tuer l'autonomie locale. Parce qu'elle a bien vu que les contre-pouvoirs pouvaient aussi et surtout venir de là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Robert Yacan. Je suis en fait un spécialiste des questions d'immobilier et d'habitat. C'est plus d'ailleurs une remarque qu'une question. Pour aller dans votre sens, ce que sous-tend en fait la politique de la ville de Paris, en fait, c'est quoi? C'est la mixité sociale, un vieux concept galvaudé depuis les années 80. Donc effectivement, ils ont essayé d'acheter des logements en fait dans les copropriétés, ce qui nous a coûté extrêmement cher. Et en même temps, j'ai vu des opérations
dans le 9e, par exemple, rue de Londres ou rue du Coq, il ne sera pas difficile de vérifier dans les bilans de la ville de Paris, Paris Habitat acheter ou réaliser des opérations avec des prix de revient à 11 ou 12 000 euros du mètre carré habitable. Ce qui est absolument scandaleux quand on connaît les valeurs de production du logement social. Et lorsque je suis allé, il n'y a pas très très longtemps, puisque je suis quand même un acteur de ce métier, voir Yann Brossat et lui proposer des montages innovants pour produire de l'habitat à des prix maîtrisés, il a fait mine effectivement d'être intéressé dans un premier temps. Et finalement, à la dernière minute, volte-face, classique, parce qu'il avait justement peur peut-être de s'attaquer à un bout d'entreprise privée, alors que c'est le dogme qu'ils affichent en permanence. Donc des solutions, il y en a en réalité pour produire du logement dans de bonnes conditions, mais aujourd'hui, ce n'est pas la politique. Effectivement, ils sont dans une politique de communication, d'affichage du dogme, et en réalité, ils visent en fait à faire de la mixité sociale en créant du logement dans les copropriétés, qui ne sont pas toujours adaptées, en visant, vous savez, le vieux modèle de l'habitat, de l'immeuble haussmannien dans lequel il y avait différents publics, etc., mais qui n'est plus adapté aujourd'hui. Je suis allé leur proposer de revenir à une politique un peu plus précise et un peu plus efficace, effectivement, en la matière, c'est-à-dire de faire de la mixité sociale. Certes, on en a besoin, parce qu'on doit tous vivre ensemble, de faire de la mixité sociale, non pas au sein d'un immeuble, mais au sein d'un quartier. Pourquoi ? Parce que je considère dans mon métier que le véritable creuset de la République, c'est pas l'immeuble, c'est l'école de quartier. Et donc, effectivement, il faut loger différents publics dans tous les quartiers et permettre aux enfants de ces familles, à long terme, d'aller dans les écoles pour faire de la mixité sociale. Voilà, mais je ne veux pas être trop long parce qu'il y aura peut-être d'autres questions. Une autre question, peut-être, monsieur. Hop. Oui, Jacques Ducret. Voilà, c'est vrai que la liste pourrait être très longue de tout ce qu'on pourrait reprocher. De tout ce qu'on pourrait reprocher à Mme Hidalgo, je crois que le constat quand même est assez probant, mais on peut en rajouter. Cela dit, on entend souvent dire, mais nous n'avons pas la majorité, nous sommes minoritaires, donc, et j'entends ça, donc, par exemple, de mon quartier, le 13e, et sur tout un tas de choses, nous n'avons pas la majorité. Tout le monde baisse les bras et ferme les yeux, si, d'une certaine manière aussi. Quand on raisonne un peu par analogie, c'est-à-dire par exemple dans les sociétés commerciales, lorsque la minorité se sent lésée, hein, ou qu'il y a abus de majorité, si vous voulez, eh bien, on recourt au juge. Le juge, c'est qui à Paris ? C'est les électeurs, le peuple. Bon, première question, donc, est-ce que on peut se contenter de dire on n'a pas la majorité ? Deuxième question. Est-ce que lorsque la droite aura, si elle y arrive, donc droite et centre peut-être, a renversé la majorité à la mairie, est-ce qu'elle reviendra sur les différents méfaits, hein, les différentes choses que la gauche, Hidalgo entre autres, aura mises en place parce qu'on voit souvent que... Quand il y a un tel changement de majorité, on voit souvent que les choses ne changent pas, finalement. On revient Merci. Jamais en arrière. Merci. Je laisserai peut-être Florence répondre à la deuxième question. Pour la première, nous sommes dans un état de droit. Il y a des échéances électorales. Il faut les préparer, en revanche, et bien les préparer. D'ailleurs, ce système électoral a été modifié. Il a été modifié à deux reprises par la gauche au pouvoir. Et c'est vrai que Mme Hidalgo peut remercier M. Hollande là-dessus, comme sur beaucoup d'autres points pendant son quinquennat. Premièrement, il y a eu, quelques mois avant l'élection, fin juillet 2013, avant l'élection municipale, une loi qui a été adoptée par le Parlement et qui a... Écoutez bien, parce qu'il fallait le faire comme ça. C'est fait au mois de juillet, vous savez, dans Oui, la dernière loi, d'ailleurs, dans l'anonymat absolu, si personne ne s'en est rendu compte. Enfin, nous, on s'est battu contre ça à l'Assemblée, hein, notamment nous qui étions parlementaires, Jean-François et les autres. Eh bien, il s'agissait, pendant cette loi, de transférer des sièges de conseillers de Paris d'arrondissement de droite vers des arrondissements de gauche pour accroître la majorité de gauche. Et mécaniquement, ça fait que... même sans rien changer au résultat électoral, 3, 4, 5 sièges de plus pour la gauche. Voilà, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Rebelote, lors de l'examen du statut de Paris, juste avant l'élection... Enfin, non, pas avant l'élection municipale, juste avant l'élection présidentielle.
Puisque qu'est-ce qu'a voulu faire Hollande pour complaire à Madame Hidalgo, encore une fois, c'est que voyant que le pouvoir allait être perdu par les socialistes, qu'il avait été perdu à la région et qu'à la métropole, c'était moitié-moitié, eh bien, elle a voulu récupérer des pouvoirs. Et donc, il y a eu des transferts de pouvoirs de la préfecture de police à la mairie de Paris, ce qui fait qu'au 1er janvier 2018, la totalité de ce qu'on appelle les pervenches va être transférée à la maire de Paris, qui va en faire une brigade anti-incivilité pour verbaliser les jeunes mégots, etc. C'est très intéressant. Mais enfin, nous, on aurait préféré à ce moment-là une police municipale, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité à Paris. Nous voulons une police municipale et pas simplement une police pour verbaliser les jeunes mégots par terre, ce qui est important, mais enfin, il y a aussi d'autres sujets. Et puis, pour ce qui concerne le stationnement payant, c'est une société privée qui va être chargée de la verbalisation du stationnement payant. Alors, on dit la verbalisation du stationnement payant, c'est entre 10 et 20% de respect à Paris. Avec une société privée, vous imaginez bien que ce sera 90%. Donc là, d'ailleurs, la ville, je crois, en escompte une recette supplémentaire de 300 millions, quelque chose comme ça. 320 millions. De quoi combler son déficit budgétaire, d'ailleurs. Vous voyez tout ça. Enfin, bref, à la louche. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des modifications, j'en cite une au hasard, mais il y en a eu d'autres, comme par exemple, je parle sous Vincent Roger qui est directement concerné, la fusion des quatre premiers arrondissements pour que eh bien, nous ayons un maire de moins à Paris, le maire du premier par exemple. Voilà, l'arrondissement va disparaître. Donc 1, 2, 3, 4 fusionnés pour en faire un nouvel arrondissement de gauche. Mais enfin, bien sûr, on compte sur les élus de droite du secteur pour gagner. Voilà, ça va. Donc voilà. Donc alors, mais deuxièmement, c'est vrai qu'il est nécessaire que nous soyons surtout prêts pour les élections. Il y a des séances démocratiques. Le mode de scrutin est brutal parce que c'est une proportionnelle matinée de majoritaire, ce qui veut dire qu'il suffit d'avoir quelques voix de majorité pour remporter une énorme majorité d'élus. Donc c'est ça aussi qui fait le déséquilibre. Mais bon, voilà, nous on est là. Vous voyez, vous êtes très nombreux, vous êtes tous des militants. Nous, notre objectif. Après les européennes, c'est vraiment de nous mettre en ordre de bataille sur le plan des idées. Et cette réunion, c'est aussi pour ça que c'est fait. Sur le plan des idées, sur le plan des projets, sur le plan des candidats, de la stratégie électorale pour remporter l'élection de façon démocratique. C'est vraiment, nous, notre ligne bleue des Vosges, conquérir la mairie de Paris aux prochaines élections municipales. Ce sur quoi on reviendra forcément, mais vraiment forcément, sur le logement. C'est évidemment les plafonds très hauts de logements très très social, c'est-à-dire en PLAI. Et ce que nous souhaitons impérativement, c'est que enfin on ait une politique d'accession à la propriété, par exemple. Bon, quant à la politique punitive de plus de stationnement, on peut militer pour des modes de déplacement alternatifs, ce que l'on fait d'ailleurs, parce que la position de la droite a été caricaturée. Donc on le fait, mais ça ne doit pas se traduire forcément par la disparition de toutes les places de stationnement, surtout dans les quartiers qui sont touristiques et où il y a beaucoup de commerces et d'artisans. Donc évidemment qu'on reviendra sur tout ça. Je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est qu'en termes de circulation, si on pouvait faire ce que font beaucoup de villes européennes, quand des centres anciens, c'est de rendre piétons les zones. Moi, de mon point de vue, par exemple, le quartier Montorgueil, c'était bien. Moi, tout ce qui est entre le boulevard Saint-Germain et la Seine, je trouve qu'on pourrait rendre ça piéton. Parce que ces petites... Oui. Mais les grands axes, c'est les artères d'une ville, les grands axes doivent être fluides. Les quartiers peuvent être piétons, les grands axes doivent être fluides. C'est l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. La prochaine question. Je voudrais m'adresser donc à vous, Éric Routier. Qu'est-ce qui, vous qui avez l'esprit critique, et je vous ai connu jeune journaliste, vous l'aviez déjà, est-ce dans votre Notre-Dame de Paris, vous avez étudié tous les aspects de notre situation actuelle, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus dommageable pour nous, Parisiens ? Moi, je suis plus concerné par la circulation, mais pas en tant qu'automobiliste, en tant que minorité. Je n'ai pas supporté la haine des la haine affichée. On peut réduire la voiture, on doit réduire la voiture, mais afficher la haine de l'homme de plus de 50 ans qui a une voiture et qui a un CSP+, pour moi, c'est un,
un dogmatisme et c'est une agression personnelle. Et beaucoup de gens l'ont vécu comme une agression personnelle, au-delà des détails de la circulation. Je veux dire, ce mépris, tout d'un coup, on se sent minoritaire et détesté. Et moi, j'ai trouvé ça absolument insupportable et je ne lui pardonnerai pas. Oui, bonjour. J'ai lu votre livre avec beaucoup de délectation. Ce que j'en ressors, en fait, c'est qu'il y a cette histoire, bien sûr, de voitures, de réduction des voitures dans la ville de Paris. Il y a la question d'écologie, de mise en verdure. Après, il y a toutes ces histoires de financement, mais dont nous ne sommes pas, nous, les habitants de Paris, très, très conscients, parce qu'on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est les questions de voitures, les questions d'immigration, etc. Ce qui m'étonne un petit peu quand même, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on vient d'entendre, par exemple, tout au début, que, par Mme Berthoud, je crois, qu'il y a des arrondissements où encore on n'a pas encore de groupe suffisamment actif. Je viens également d'entendre plusieurs choses concernant notre action et ce qu'on doit faire, etc. Il faut, d'après ce que j'ai compris, il y a près de 40% des Parisiens qui n'ont pas de voiture. La moitié n'a pas de voiture. Et parmi ceux qui ont une voiture, la moitié ne s'en sert que le week-end. Voilà, donc la circulation ne concerne qu'un effectivement. Donc tous ces gens-là, en fait, et moi j'en fais partie, j'ai pas de voiture sur Paris, mais j'ai pas de voiture, je vis à Paris. Mais et tous ces gens-là vont en fait soutenir toutes ces notions de dégager les trottoirs et dégager les voitures et sortir les voitures. Il y a également toute un groupe de population qui ne veut plus de pollution, donc qui va soutenir ce genre de choses. Il y a également tous les gens qui veulent que on ait plus de verdure sur la ville de Paris, etc. Bon, alors ça fait quand même une grosse majorité, et c'est pour ça qu'en fait, je me demande comment on va arriver à battre tout ça, parce que c'est une grosse majorité, et ma question c'est quelles sont les tactiques, quelles sont la propagande de communication, parce qu'on se bat contre la fameuse com de Madame Hidalgo et de la gauche. Quelle stratégie allons-nous mettre en place pour combattre ça? Parce que sinon, si on n'a pas une stratégie qui arrive à combattre leur communication, on va arriver à rien. Merci. On va prendre une dernière question. Voilà. Bonjour. Moi, je voudrais revenir par rapport à l'intervention de Madame Berthaud. Par rapport à l'intervention de Madame Berthoud, par rapport à la propreté. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement et efficacement pour informer la population par rapport à la propreté de Paris. Parce que la majorité de la population, parce que moi, j'ai affaire à elle, pense que c'est la mairie locale qui s'occupe de ça. Alors que c'est la mairie centrale. Mais c'est vrai que je veux bien qu'on parle des ateliers, qu'on parle des commissions, mais la première question, c'est efficacement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place pour informer la population de chaque commune. Voilà. Je voulais revenir juste sur la première question qui a été posée, sur la première question pardon qui a été posée, puisque on est sur un atelier élu et militant, et en tant qu'élu, on a aussi des comptes à vous rendre, et sur la stratégie éventuellement de reconquête de la mairie de Paris. Je voudrais juste insister sur un point, sur le fond. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, soit par les routiers, soit par mes collègues du Conseil de Paris. Maintenant, sur la forme, on a aussi un mal profond au sein de la droite parisienne qui maintenant perdure depuis 2001. Ce sont nos divisions. Alors, je crois qu'il faut avoir aussi un regard très lucide sur ce sujet-là. Il faut regrouper nos qualités. On a le droit d'avoir des sensibilités différentes au sein de notre famille politique. Il faut les assumer. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on a un devoir de travailler ensemble pour gagner et pour vous représenter. Et ça, je crois qu'il faut absolument maintenant changer de culture
Il faut le faire. On a ces trois années sont utiles. Dans nos arrondissements, on y arrive. Donc il faut qu'au niveau parisien aussi, on arrive à mettre cette stratégie en place. On ne peut plus se permettre, dès qu'il y a une tête qui émerge, de vouloir la couper et de passer son temps à débiner les uns sur les autres. Voilà. Concentrons-nous sur la gauche, concentrons-nous sur ce qui nous divise, et puis faisons en sorte que ce qui nous rassemble soit beaucoup plus fort, parce qu'on a beaucoup de talent dans cette opposition, on a beaucoup de talent dans ce groupe. Je le dis devant Florence qui est présidente de groupe, devant Jean-François qui a été président de groupe, c'est pas facile d'être président du groupe des Républicains au Conseil de Paris. Donc je crois qu'il faut assumer cela, parce que si on passe pas par un rassemblement de nos élus, par un respect de nos différences, je peux vous dire qu'on peut avoir le meilleur programme, on ne gagnera pas. Absolument. Rassemblement et union. Juste pour répondre, j'ai reconnu Leïla là, qui a posé la question sur la propreté, je prendrai le problème à l'envers. En fait, ce qui est nécessaire de faire pour avoir une politique de la propreté efficace à Paris, c'est de décentraliser dans les arrondissements et c'est de conférer la compétence de propreté au maire d'arrondissement. Je parle sous le contrôle, tu ne vas pas me contredire, du maire du 17e. On a, et de la maire du 5e d'ailleurs, et puis des autres élus qui sont là, c'est les maires qui savent si, comment ça se passe dans telle rue, dans tel secteur, etc. Quand vous pensez que tout remonte à une direction centrale, pléthorique, que ça remonte et que les maires d'arrondissement n'ont pas d'autorité hiérarchique ni fonctionnelle sur les services de la propreté, c'est qu'il y a un blème, comme on dit. Lorsqu'il y a eu l'examen du nouveau statut de Paris que j'évoquais tout à l'heure, on a déposé des amendements, justement, dans le débat parlementaire, pour que cette compétence soit attribuée, transférée au maire. Mais ce n'était pas du tout l'objet, puisque M. Hollande, sous l'influence de Mme Hidalgo, n'avait qu'une idée en tête, c'était renforcer le pouvoir de Mme Hidalgo. Donc ils n'en allaient pas renforcer le pouvoir des maires d'arrondissement. Nous allons reprendre tout ça. Et nous, il y a un nouveau gouvernement. Hein. Bon, on n'est pas, nous, on est dans l'opposition, mais enfin, on va quand même reprendre tout ça pour que dans la réorganisation des institutions régionales, vous savez qu'il y a une grande réflexion en ce moment, la métropole, la région, Paris, etc., les arrondissements, il va y avoir beaucoup de modifications. Et je pense que nous allons reprendre cette proposition dans les débats. Oui, mais alors Florence. Alors, juste sur la propreté. Moi, je préside la mission d'information et d'évaluation sur la propreté, qu'on a demandé, notre groupe a demandé ça, hein, tellement ça se passait mal. Ils ont fait traîner pendant des semaines pour qu'on constitue cette MIE. Il y a, premier sujet, c'est effectivement ce que disait Philippe Goujon. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Moi, je suis farouchement partisane du fait qu'on transfère au maire d'arrondissement l'autorité sur les services de la propreté. Mais à condition, chère madame, qu'on objectivise, comme on dit un peu, non mais les moyens à mettre en œuvre. Parce que si on nous donne l'autorité, mais que les moyens... on peut applaudir très... Voilà, applaudissez Madame la Présidente de Région, qui arrive. Voilà. Merci. Je termine juste sur la propreté. On te cède la parole. Donc il faut qu'on objectivise les moyens. Voilà. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais vous nous demandiez comment faire pour regagner Paris. Eh bien, vous avez un rôle, là, en repartant cet après-midi, dans vos arrondissements. Je vous parle en tant que maire du 17e, mais je l'ai dit déjà à nos militants dans le 17e arrondissement, nos adhérents, nos sympathisants. Investissez les conseils de quartier. C'est bien de venir samedi nous entendre. On a besoin aussi de... Voilà, d'échanger, de reprendre du souffle. La dimension européenne, elle est importante aussi pour prendre du recul. Et repartir dans les quartiers. Donc on a besoin que vous soyez présents dans les quartiers. Montez des associations, on le redit à chaque fois, mais c'est important. Et puis soutenez, là j'ai un message pour l'Est parisien. Parce que nous, évidemment, dans l'Ouest, on est un peu gâtés, c'est vrai. Même si on a perdu beaucoup de parlementaires, il faut le dire. Et je viens de penser pour tous ceux qui ont été battus injustement à Paris... Important de le dire, ils ont fait des très belles campagnes dans des contextes très différents et ils ont porté haut nos couleurs, même s'ils ont perdu. Je veux simplement vous dire, aidez vos élus dans les arrondissements de Reconquête et de l'Est. Vous pouvez les aider par l'associatif et par les conseils de quartier. Voilà des choses extrêmement concrètes. C'est 3-4 réunions par an, c'est pas énorme, mais c'est un lien avec le terrain, avec ce que pensent les Parisiens. Donc on a besoin de vous dans les quartiers et auprès des élus d'opposition, notamment dans l'Est parisien. Voilà ce que je voulais vous dire.
Et j'ajouterai, faites très attention, parce que sur la propreté, Anne Hidalgo est en train de lancer ce qu'elle appelle les conférences citoyennes. Allez-y, pour que ce ne soit pas que des repères de militants socialistes, pour dire tout le mal que vous pensez de l'état de saleté. Et c'est là qu'il faut le faire. Elle les lance dans une semaine. Allez partout, même si d'ailleurs ce n'est pas dans votre arrondissement. Allez-y, voilà. Merci. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci beaucoup, Jean-Didier, pour vos derniers mots. Vous l'aurez compris, l'alternance, finalement, n'est pas automatique, malgré, finalement, ce livre, malgré la gestion quotidienne de la ville de Paris par Madame Hidalgo. Il va nous falloir travailler dans l'unité et travailler sur un projet où, finalement, peut-être, on soit présent là où on ne nous attend pas. Et je vais vous donner la parole pour conclure cette formidable table ronde. Et je vous remercie à tous pour vos questions. Non, mais j'ai pas de raison de conclure. Je veux dire simplement qu'on a fait ce livre sans a priori. On a découvert un monde totalement incroyable. Vu de l'extérieur, quand on n'est pas politique, je veux dire, c'est un sectarisme total. Mais ce livre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'est pas dénonciateur, il est moqueur. Et la moquerie, sur des faits réels et avérés, le ton moqueur, notre drame de Paris, Notre-Dame de la Bienveillance, je crois que, de mon point de vue, vous avez vos activités, votre combat à mener, mais de mon point de vue, moi, la moquerie, la plaisanterie et sur des faits avérés est beaucoup plus efficace que tout le reste. Bravo. C'est vrai qu'en plus, c'est l'esprit français et en France, on peut mourir de moquerie sur le plan politique. Donc je vous incite à lire cet ouvrage, bien sûr, à en diffuser la substantifique moelle autour de vous et surtout à l'acheter et à le faire dédicacer par l'auteur dès la sortie de cette réunion. Donc merci à Routier. Je crois que vous pouvez encore l'applaudir pour avoir écrit cet ouvrage parce que on n'a peut-être pas encore de projet pour les municipales, mais on a un bilan. C'est déjà ça. Voilà, on a déjà fait la moitié du boulot. Merci, grâce à vous. Maintenant, alors, il n'y a pas encore un bilan, puisque tu n'en es pas encore à la fin de ton mandat, chère Valérie, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de la politique régionale, après 17 ans d'immobilisme et de catastrophe socialiste. Donc, nous avons la chance d'avoir pour clôturer cette demi-journée la présence de Valérie Pécresse, que je vous demande d'applaudir parce qu'elle est venue spécialement pour vous parler. Et le mieux, c'est de lui passer aussitôt la parole en la félicitant, bien sûr, pour son action à la tête de la région Île-de-France. Mille merci. Mille merci, cher Philippe, chère Florence. Moi, je voulais vous dire, je voulais dire à tous les élus de Paris qui sont ici, les maires d'arrondissement, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et notre nouvelle sénatrice, Catherine Dumas, que je salue. Je voulais vous dire que, évidemment, la région était là aussi pour vous aider, vous, les habitants de Paris, et vous, les élus de Paris, vous aider dans tous les domaines. Et c'est vrai que on a, à la région, aujourd'hui, réussi à dépoussiérer complètement, à mettre à bas complètement un système qui était totalement clientéliste et qui consistait, en réalité, à choisir à qui on donnait les subventions. Vous savez qu'on avait, 24 millions d'euros de subventions qui étaient données à des associations qui n'ont jamais rendu un compte-rendu d'activité, Donc on a tout coupé. Alors effectivement, la gauche a poussé des cris d'orfraie, mais je vous rassure, on n'a revu aucune des associations en question. Ben non. La gauche a dit on a tout coupé, mais on ne les a pas revues. Et à mon avis, elles se sont vite cachées sous le tapis parce qu'elles n'avaient pas envie qu'on vienne s'intéresser à elles. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a repris en main cette région avec un certain nombre de ceux qui sont ici. Il y a Vincent Roger, il y a Valérie Montandreau, il y a Jérémy Redler. On a repris tout ça avec Florence Berthoud, bien évidemment. On a repris tout ça en main et on a voulu faire de la région un peu un laboratoire par la preuve de ce que nous ferions si nous gérions. Et je pense que ça peut vous être très utile dans votre reconquête de Paris. Parce que qu'est-ce qu'on a fait à la région? Eh bien, d'abord, on a réaffirmé un certain nombre de priorités. Dans les priorités, il y a la bonne gestion. Nous sommes la première région la plus économe de France, 250 millions d'euros d'économies en 2 ans, et on va continuer cette année.
On est la région la plus économe et on est l'une des seules qui a réussi à baisser sa masse salariale, alors même que François Hollande a augmenté le point d'indice des fonctionnaires. Donc ça veut dire que en tendance, ça a augmenté, on a baissé. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on a fermé. On a fermé un certain nombre d'organismes pararégionaux qui étaient très bizarrement gérés. On avait 28 organismes pararégionaux dans lesquels on distribuait des subventions, dont un organisme, Arcadie, qui s'occupait de subventionner la culture, qui faisait la même chose que la région. Donc ça permettait de donner deux fois au même. Et il était dirigé quand même par l'adjoint d'Anne Hidalgo à la vie de la nuit. Oui. Donc on avait un mélange des genres, c'est-à-dire que les élus socialistes étaient dans les lieux qui dépensaient l'argent de la région, etc. Donc tout ça entretenait des relations qui étaient... voilà. D'ailleurs, je tiens à vous dire que moi, j'ai interdit... on a fait une charte de déontologie, on a interdit les recrutements familiaux à la région, sauf vote contraire du Conseil régional. C'est-à-dire que nous, on a fait, j'allais dire, quelque chose de plus intelligent que la loi Macron, on ne les a pas interdits entièrement, parce qu'il peut y avoir un emploi familial qui est justifié, mais on a dit, si on le fait, il faut que le Conseil régional le vote. Voilà. Mais du coup, ça nous a permis de dégager un certain nombre d'emplois très familiaux qui avaient été faits pendant les 17 années précédentes. Donc tout ça pour vous dire qu'on a commencé par mettre vraiment la bonne gestion au cœur. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces économies ? Eh bien, on les a réinvestis. Réinvestis dans toute une série de priorités. La première, c'est les transports. Bien sûr, vous le savez, on se transporte très mal. Je peux vous dire que nous avons fait plus à la région pour la baisse de la pollution que la maire de Paris. Beaucoup plus. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fermé les voies sur berge. Donc elle a empêché 45 000 voitures de passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait vous savez que nous avons fait un comité de suivi de la fermeture des voies sur berge, que nous avons confié au professeur Carly, qui est le patron du SAMU de Paris, qui a été très courageux d'accepter. Parce que je peux vous dire qu'il a reçu beaucoup de pression pour ne pas accepter. Parce qu'un professeur de médecine, patron du SAMU, qui accepte de venir vérifier que ça se passe bien et qui dit ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas baissé la pollution, on l'a déplacée. On l'a déplacé sur le boulevard Saint-Germain, on l'a déplacé sur les boulevards, les grands axes du 8e et du 9e, et on l'a déplacé le long du périphérique. Donc en réalité, la pollution s'est déplacée. Elle n'a pas diminué. J'ajoute qu'elle diminue tendanciellement la pollution dans Paris depuis 10 ans, sauf une année, l'année dernière. Parce que forcément, il y a un mot qu'on ne prononce jamais, qui est un mot tabou, vous ne les avez jamais entendu prononcer ce mot-là. C'est le mot embouteillage. Ce mot-là n'existe pas. Les embouteillages ne sont pas la cause de la pollution. La cause de la pollution, c'est les méchants qui prennent leur voiture. Eh bien non, ce n'est pas exactement ça. La cause de la pollution, c'est la thrombose de la circulation à Paris. Alors, nous avons décidé de faire un bras de fer avec la maire de Paris pour obtenir des mesures compensatoires. Et moi, je pense que c'est un peu dommage que la maire de Paris ne nous ait pas écoutés. Parce que ce que nous avions proposé, c'était beaucoup plus subtil. C'était de dire, laissez les berges ouvertes, au moins aux heures de pointe, et laissez-les ouvertes uniquement aux véhicules propres. Si on avait fait ça, hybride et électrique, si on avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Ben, tous les franciliens qui veulent circuler, ils auraient acheté des véhicules propres. Et donc, vous auriez fait baisser la pollution. Mais ça, c'est de l'écologie incitative. C'est dire, si vous changez votre bagnole, vous pourrez circuler et vous aurez... Elle fait de l'écologie toujours punitive. Toujours. C'est interdit. Faut payer. Des vignettes, des machins. C'est interdit. Faut payer. C'est interdit. Voilà. Et ben nous, on doit inventer. On est ici dans les ateliers de la refondation. On doit inventer une autre écologie. On ne va pas se faire piquer l'écologie. L'écologie, les vrais écologistes, c'est ceux qui font changer les comportements des Français. Et pour les faire changer, il ne faut pas utiliser uniquement la matraque, il faut utiliser aussi l'incitation. Et nous, on a fait ça. Pareil, qu'est-ce qu'on a fait ? Et moi, je vous invite vraiment à le populariser. On a fait le Grand Paris des bus. Le Grand Paris des bus, c'est quoi ? Ça fait 70 ans que personne n'a eu le courage de repenser les circuits des bus dans Paris.
Ah, c'est très difficile de repenser les circuits des bus dans Paris, puisque ça fait changer les habitudes. Vous savez que rue de Rivoli, vous aviez 10 lignes de bus diesel remplies à 20%. Et en revanche, dans le 19e et le 20e, vous n'avez pas de bus, alors qu'il y a Rosa Parks, une nouvelle gare, des nouveaux quartiers, etc., plein d'habitants. Donc il fallait tout changer. Alors on a tout repris. C'est nous, la région. On a eu le courage de le faire. Jean-Paul Huchon n'avait pas eu le courage parce qu'il n'osait pas. Il s'était dit, mon Dieu, changer les bus dans Paris. Donc il ne l'avait pas fait. Nous, on l'a fait. On l'a fait tranquillement. Ça, il y a eu des réunions dans tous les arrondissements. On l'a fait tranquillement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré, depuis 2 ans, 1000 bus diesel du cœur de l'agglomération Paris-Petite Couronne. 1000 bus diesel en moins grâce à la région. C'est nous, le STIF, l'Île-de-France Mobilité, qui avons retiré 1000 bus diesel. Voilà, donc on a fait ça. Et je vais vous dire, ça fait plus pour la baisse de la pollution à Paris que toutes les fermetures de voies sur berge. Plus. Et par ailleurs... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des parkings relais. Ben oui, parce que pourquoi les banlieusards, ils prennent leur voiture? Eh ben parce qu'ils n'ont pas le choix. Et qu'on ne mettra pas un bus dans chaque village. Alors le sujet, c'est les parkings relais. 10 000 places de parkings relais supplémentaires dans les gares pour qu'on prenne plus les transports en commun. Et puis l'argent qu'on avait économisé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on l'a mis pour la rénovation des trains, la rénovation des RER, l'achat des 1 000 nouveaux bus. Et tout ça, pourquoi faire? Eh bien, pour que les banlieusards aient envie de prendre les transports en commun. Parce que s'ils n'ont pas envie de les prendre, parce que ce n'est pas confortable, c'est sale, ce n'est pas sécurisé, c'est en retard, ben, ils resteront dans leur voiture. Donc nous sommes les vrais acteurs, nous, ici, les vrais acteurs de la lutte contre la pollution. C'est nous les vrais écologistes. Alors, il ne faut pas se laisser piquer le mot, c'est vraiment nous qui faisons. Et j'ajoute, et je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous, que c'est complètement d'arrière-garde d'être contre la route et contre la voiture. Parce que la voiture de demain, elle sera silencieuse et non polluante. Alors pourquoi on nous embête avec, on veut empêcher la liberté d'aller et venir des Français, les empêcher d'avoir une automobile, alors que demain, elle sera silencieuse et non polluante. Ce qu'il faut... Alors j'ajoute en plus, pardon, mais certains d'entre vous le savent, qu'on est une des premières régions de France en matière d'automobile. On a le siège des 2 plus grands groupes français, Peugeot, Renault, en Île-de-France. Des centaines de milliers d'emplois liés à l'industrie automobile en Île-de-France. Donc en plus, qu'est-ce qu'on veut? On veut encore désindustrialiser l'Île-de-France? On veut encore que les jeunes des quartiers populaires aient plus de boulot? On veut encore... essayer de créer une France sans usine, c'est ça ce qu'on veut? Eh bien moi je pense l'inverse. Je pense qu'il faut faire le pari de l'automobile du futur, du véhicule du futur, du bus du futur, de la navette autonome. Il faut qu'on soit, nous la droite, porteurs de cette idée de progrès. Et c'est pour ça que j'ai fait un plan industrie de demain. L'industrie de demain, elle peut se développer en Île-de-France. Et vous savez, en Île-de-France, on dit qu'on est très prospère. C'est vrai qu'on est très prospère. Mais on a quand même 700 000 chômeurs. Et on a quand même des quartiers très sensibles. On est les régions de toutes les inégalités. On a 40% de chômage dans certains quartiers, avec des jeunes qui n'aiment plus leur pays. Et puis vous voyez où je veux en venir. Qui va les enrôler, ces jeunes-là, aujourd'hui? Hein ? C'est plus seulement une question d'émeute urbaine. C'est aussi une question de radicalisation, de risque terroriste, de salafisme, enfin bon, et d'islamisation de nos banlieues. Si on ne leur donne pas un espoir et un emploi. Donc, le sujet, aujourd'hui, il est simple. On doit inventer l'industrie du futur. Dans l'industrie du futur, il y aura le véhicule du futur. Et puis, la navette autonome qu'on est en train de construire, eh bien, il va falloir la faire rouler sur les routes. Donc, moi, j'ai fait un plan route, que j'ai appelé le plan anti-bouchon. Et dans ce plan route, il y a des voies dédiées pour le covoiturage, des voies dédiées pour les bus, des voies dédiées pour les navettes autonomes. Et on va être porteur de l'idée de progrès. Moi, je vous invite tous à avoir un temps d'avance sur Anne Hidalgo. Nous, on est visionnaires. Elle est réactionnaire. Elle a une idéologie des années 80. Elle a l'idéologie du 20e siècle. Et nous, on est dans le 21e. Et c'est ça qu'il faut dire aux Parisiens. Parce que les Parisiens, ils ont envie de quoi? Ils ont envie qu'on leur porte de l'espoir. Ils ont envie qu'on soit moderne. Ils ont envie qu'on soit en prise avec le monde de demain.
Et le monde de demain, c'est aussi un monde où on va télétravailler. C'est un monde où on sera sur les réseaux Internet. C'est un monde où on se déplacera beaucoup moins. Et moi, je travaille, avec tout le monde ici, à faire 1000 lieux de télétravail dans toute l'Île-de-France pour que les Franciliens se déplacent moins. Et je travaille aussi avec les entreprises pour essayer d'inventer le travail de demain. Alors, vous savez que dans mon plan d'économie, j'ai décidé de partir à Saint-Ouen. Je déménage le siège de la région. On avait 16 sites, tout le monde enfermé dans des petits bureaux à deux pour être sûr de ne pas se rencontrer. Le transport ne parlait pas avec la formation professionnelle, qui ne parlait pas avec le développement économique, qui ne parlait pas avec l'agriculture. Enfin bref, personne ne se parlait. Donc on part tous dans un grand bâtiment à Saint-Ouen, à côté, de l'autre côté des Batignolles. Donc voilà, on est très intéressés par tous les développements du nord de Paris. Ça va être magnifique. Et on va à Saint-Ouen. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va télétravailler. On va être la première administration qui va faire du télétravail. Et on va mettre tout le monde en open space. Et on va montrer ce que c'est qu'une administration moderne aux socialistes et au président de la République qui a oublié la réforme de l'État. Vous avez vu que le président de la République, il veut raboter les collectivités, raboter. Mais l'État, on coupe rien, surtout pas. Il faut que l'État fasse tout et qu'il dépense toujours plus. Et ben moi, c'est pas ma vision. Donc nous allons vraiment être les plus modernes. Moi, vraiment, je voudrais qu'on soit les plus modernes surtout. Alors, il y a un deuxième sujet, la sécurité. Je suis désolée, mais on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer en ce moment en Île-de-France en matière de sécurité. On doit être porteur de plus de sécurité. Alors, je sais que les maires d'arrondissement essayent d'avoir plus de pouvoir. Moi, je crois que vous devez vous battre pour que les maires d'arrondissement puissent avoir plus de pouvoir en matière de sécurité dans leur arrondissement. Moi, j'ai donné, avec Frédéric Pechenard, on a mis en place un superbe plan qu'on appelle le bouclier de sécurité, et on a tout sécurisé. Et on a commencé par les lycées. Parce que figurez-vous que le Front de Gauche et les Verts refusaient qu'on mette des caméras dans les lycées. Alors, on a été assez habile avec Agnès Evren. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va forcer personne. Nous, on force personne, jamais. Parce que si on les force, ils vont manifester, puis on ne va rien faire. On force personne. On dit juste, s'il y a un conseil d'administration d'un lycée qui demande plus de sécurité, on lui donnera ce qu'il veut. Eh bien, ça a tout débloqué. Tout débloqué. On a fait 360 opérations de sécurisation. On a mis des clôtures, on a mis des caméras, on a mis des sas à l'entrée, etc., des sonneries d'alerte, etc., etc. Et évidemment, ils nous ont demandé des caméras à l'intérieur pour surveiller les coursives, les angles morts, là où se fait le deal, là où se font le racket, là où il y a des risques. Donc, évidemment, ils nous ont demandé beaucoup plus de sécurité. On a fait ça. On a fait ça aussi dans les transports. Parce que, on parlait de toi, Frédéric, dans les transports. Pendant 6 ans, quand j'étais dans l'opposition, je me suis battue pour qu'on mette de la vidéoprotection dans les rames de transport. Et ils m'ont dit, non, ça ne sert à rien, la vidéoprotection, la vie privée, les gens ne veulent pas être surveillés dans les rames, etc. Tu parles. Du coup, les gares étaient surveillées, mais dans les rames, il y avait les pickpockets, les délinquants, etc. Ils s'en donnaient à cœur joie. On a même eu une attaque de diligence sur le RERD, où ils ont pris d'assaut un wagon, mais comme il n'y avait pas de caméra. Bon, donc... Quand je suis arrivée, j'ai dit, on va mettre des caméras. Et j'ai évidemment toute l'opposition qui a hurlé, comme ils hurlent encore à Paris. À Paris, les Verts ont voté contre les 1000 caméras qui ont été mises en place par Nicolas Sarkozy. Eh bien, j'ai rencontré Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il m'a dit, quoi? Il n'y a pas de caméras en vigie pirate dans les trains. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un terroriste? Voilà. Bon. De temps en temps, quand les socialistes doivent vraiment gérer le pays, ils se rendent compte que leurs idéologies, il faut les mettre. Sur la sécurité, vraiment, on est au rendez-vous. Et on continuera d'être en rendez-vous. Et je pense que c'est un sujet sur lequel vous devez vous battre à Paris. Parce que ça n'est pas normal aujourd'hui, ce qui se passe. Et la question de la sécurité est en train de devenir un problème majeur. Propreté, vous en avez parlé. Et Florence a très bien dit, allez dans les réunions, allez raconter votre quotidien. Ça n'est pas digne. Moi, j'ai été très soft pendant les derniers mois sur la propreté parce qu'on avait les JO et on ne pouvait pas, face au reste du monde, dire qu'on avait un problème. Donc j'ai été vraiment là-dessus très loyale parce que la candidature des JO, c'était quand même un formidable événement à Paris, un formidable événement de rayonnement, même si je suis comme vous, je veux que chaque euro dépensé soit bien dépensé. Et qu'on surveille quand même bien ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-François Lamour de venir près de moi, parce qu'il a, vous connaissez son expérience,
d'Olympien et de conseiller sport de Jacques Chirac et de ministre des Sports. Et je lui ai demandé de vérifier que chaque euro allait être bien dépensé. Mais donc, pour l'instant, je n'ai pas trop parlé de cette histoire de propreté. Mais c'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. La capitale de la cinquième puissance mondiale. Et là aussi, les maires d'arrondissement se battent pour avoir plus de pouvoir. Alors moi, j'ai mis en place ce qu'on appelle le fonds propreté à la région. Tous les maires peuvent demander de l'argent pour des associations qui vont nettoyer les dépôts sauvages. Eh bien, ce fonds propreté, en 2016, on avait mis 1 million. Là, on en est à 4 millions de demandes. Et c'est demandé partout, sauf à Paris, parce que Madame Hidalgo ne veut évidemment pas demander l'aide de la région. Bon. Alors moi, je vais aussi. J'ai commencé à faire une négociation avec les départements et j'ai commencé à faire une négociation avec les sociétés d'autoroutes parce que je veux aussi que les entrées de Paris soient nettoyées. Dernier sujet, les migrants. Non, mais les migrants, c'est un sujet important. Moi, je suis désolée, mais il y a une forme de politique très irresponsable à Paris. Et permettez-moi de vous le dire. Qui consiste à dire, nous les accueillons. Nous les accueillons. Mais en même temps, on n'en veut pas chez nous. Et en fait, ça a un effet absolument dévastateur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le fait que la maire de Paris ait dit qu'elle voulait les accueillir, les a fait venir. Et quand on a démantelé Calais, le gouvernement a dit « ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas un seul en Île-de-France, on va les mettre dans d'autres régions ». Ils ont juste pris le train. C'est bête, hein? C'est bête, on a oublié que la gare du Nord, ça allait direct dans le Nord. Donc ils ont pris le train et ils sont arrivés où? Porte de la Chapelle. Et ben voilà. Et donc moi je suis allée avec Babette de Rosière, avec Pierre Licia, place de la Chapelle. Pourquoi? Parce que la place de la Chapelle avait été tellement envahie que les femmes ne pouvaient plus sortir de chez elles parce qu'elles se faisaient harceler. Et j'ai été, à la demande des habitants, dans les halls d'immeubles, voir ce qui se passait. Et j'ai vu les vitres des concierges fracassées, les casiers à vélo fracassés, donc on ne pouvait plus laisser les poussettes, on ne pouvait plus laisser les vélos, et des habitants totalement tétanisés. Et heureusement que j'y suis allée. Alors j'ai été poursuivie par les gauchistes qui hurlaient, Pécresse raciste, vive l'accueil de tous, etc. J'ai été poursuivie, harcelée, mais j'y suis allée. Et comme j'y suis allée, le gouvernement s'en est saisi et finalement, ils ont nettoyé. Mais c'est en permanence. Nous avons aujourd'hui en Île-de-France 120 bidonvilles. 120 bidonvilles. Vous vous souvenez de l'appel de l'abbé Pierre des années 80 ? Il faut résorber les bidonvilles en Île-de-France. 120 bidonvilles. Voilà. Alors le sujet aujourd'hui, c'est que sur les migrants, on ne peut plus continuer comme ça. On a atteint la cote d'alerte. Et en plus... Madame Hidalgo donc, les fait venir porte de la Chapelle et ensuite elle dit il faut les accueillir ailleurs, donc elle les renvoie. Donc hier j'étais avec François Pouponi, le maire de Sarcelles. Lui, ils veulent lui mettre dans son projet d'établissement public pour personnes âgées, d'EHPAD. Alors il est content. Et ainsi de suite. Et puis vous imaginez, Sarcelles c'est quand même une ville qui a déjà pas mal de difficultés sociales. Et ben on va lui remettre une maison de personnes âgées pleine de migrants. Donc tout ça, c'est juste pas possible. Et il y a quand même une ambiguïté. Parce que moi, j'entends le gouvernement. Et quand je l'entends, je suis presque rassurée. Quand il dit, il y a les demandeurs d'asile d'un côté, et puis il y a les clandestins, et les clandestins, on va les renvoyer chez eux. Ce discours, ça fait des décennies qu'on l'entend. Alors maintenant, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est que chaque mois, il publie la liste, enfin le nombre, des reconduites à la frontière. Parce qu'on a besoin de savoir si ces reconduites sont effectives. Et maintenant, les déboutés du droit d'asile, ils doivent rentrer chez eux. 94% des déboutés du droit d'asile sont encore dans nos structures d'hébergement d'urgence. Et ça se fait au détriment... Ça se fait au détriment des SDF. Ça se fait au détriment de tous ceux qui se retrouvent fragilisés à la rue, qui perdent leur logement, qui n'ont plus de structure d'accueil. Donc aujourd'hui, on a un sujet et je crois qu'il faut que vous arriviez à dire fermement et calmement que, voilà, il y a des migrants économiques. Ces migrants économiques, nous n'avons pas les moyens de les accueillir dignement, de les intégrer, de leur donner un travail. Nous n'avons pas ce moyen. Alors à la région, on a quand même fait un petit truc. Un petit truc, je regarde ma montre parce qu'il ne faut pas que je sois trop en retard. Je vais à une émission de radio. Mais on a fait un petit truc qui les a quand même mis un petit coin dans l'aile de la gauche, c'est qu'ils avaient donné, tenez-vous bien, 75% de réduction
dans les transports à tous les étrangers en situation irrégulière et à leurs familles. Donc, les étrangers en situation régulière payent plein pot. Vous, vous payez plein pot. Mais un étranger en situation irrégulière et toute la famille, 75% de réduction. Alors moi, j'ai dit, non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de prime à l'irrégularité. Quand on est en situation irrégulière, eh ben, on paye plein pot. Et ils m'ont dit, ah là 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 là, bon. Ils m'ont traité de tous les noms que vous imaginez. Et ils m'ont dit, mais il y a un droit au transport. J'ai dit non, il n'y a pas de droit au transport. Il n'y a aucune métropole du monde qui donne des transports gratuits aux étrangers en situation irrégulière. C'est un appel d'air. Tout ce qu'ils font, c'est faire des appels d'air. Voilà. Et il faut qu'on remette les choses à plat, il faut qu'on remette les choses à l'endroit. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que... Alors je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on ait des lieux où... On oriente les personnes qui arrivent et où on les renvoie chez elles. Mais quand je vois que le gouvernement nous dit dans les centres de rétention, on va pouvoir les détenir non plus 45 jours, mais 90 jours. Mais combien de temps? Enfin voilà. Donc vraiment, il faut qu'on simplifie, qu'on accélère les reconduites. On ne peut plus. Et puis, il faut qu'on donne un signal fort. Il y a un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, vous savez que si vous êtes en situation irrégulière et qu'on vous contrôle dans le métro ou dans la rue, c'est plus un délit. C'est plus un délit. Donc, donc les policiers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est plus un délit. Donc, on a aujourd'hui à dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vraiment, il y a un grand nombre de quartiers de Paris qui sont transformés en dortoirs, en terrain vague, à la tombée de la nuit. Et ça commence très vite. Ça commence dans le quartier des grands magasins. Hein, ça commence... voilà. Donc, on a vraiment besoin de vous... Pour pousser un cri et pour dire non pas qu'on n'est pas, généreux, non pas qu'on n'est pas généreux, mais que c'est indigne, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas des conditions d'accueil acceptables. Et quand on n'a pas les capacités d'accueillir, eh bien, il faut qu'on fixe des lois. Nos lois, elles sont simples. Les demandeurs d'asile, on les protège, on les accueille. C'est la vocation de la France. Ça a toujours été la vocation de la France. Mais les migrants à vocation économique, on ne le fait pas. Alors j'ajoute... que moi, je suis un peu choquée, et je le dirais, que notre parti, notre famille, n'ait pas une vraie vision sur ce que doivent être les relations entre la France et l'Afrique. Et je le dis, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas avoir des migrants économiques au-delà d'un certain quota, et en même temps ne pas avoir de vision pour le développement de l'Afrique. L'Afrique, ça a toujours été, pour nous, en plus, les gaullistes, ça a toujours été... un continent avec lequel nous avons voulu travailler, que nous avons voulu faire prospérer, que nous avons voulu développer. En 2040, il y aura combien de centaines de millions de jeunes Africains? Il faut leur donner un travail, il faut leur donner un espoir. Donc la région a lancé toute une série de partenariats avec les grands pays d'Afrique, un incubateur de start-up avec l'Afrique francophone, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de faire sa mue technologique. Et avec le digital, avec le solaire, on a aujourd'hui la possibilité de développer les vraies ressources du continent africain. Et là-dessus, moi, je crois qu'on a un message à faire entendre. Et si on fait entendre ce message, là aussi, on sera visionnaire. On ne sera pas juste, vous voyez, toujours en train de râler. On sera en train de proposer. Et c'est important qu'on soit un parti de proposition. C'est ça qui nous réconciliera avec la jeunesse. Et c'est ça aussi qui nous rendra plus audibles. Alors, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris que je serai intarissable. Et que vous avez peut-être envie d'aller manger. Mais moi, je vous invite vraiment à travailler ensemble avec tous les conseillers régionaux de Paris pour qu'on vous aide à construire un projet d'alternance pour Paris. Et moi, je crois que c'est tout à fait possible. Vous avez aujourd'hui une équipe vraiment et à la fois expérimentée et rajeunie sur Paris, soudée, qui a réussi à traverser les épreuves. Et moi, je leur fais toute confiance. Et je voudrais dire vraiment à Philippe et à Florence que le travail qu'ils font est exceptionnel et qu'on sait qu'on peut compter sur eux et surtout compter sur vous. Merci. Merci, ma chère Valérie. Voilà, je crois que ça mérite des applaudissements nourris qui vont accompagner ton départ vers RTL, je crois, où nous t'écouterons tous, bien sûr. À quelle heure ? Dans une demi-heure, donc vous pourrez retrouver Valérie dans une demi-heure sur RTL. Merci à toutes et à tous. Oui, je
Vraiment, cette conclusion de nos travaux était fort opportune, surtout que tu as pu faire le parallèle entre l'action que tu menais à la région et celle qui est menée à la ville de Paris. C'est dans deux registres extrêmement différents, ce qui nous permet de constater, à notre corps défendant, hélas, que la région a beaucoup de chance de t'avoir et que nous avons beaucoup de malchance d'avoir Anne Hidalgo. Espérons que les choses seront modifiées à l'avenir. Maintenant, mes chers amis, après ces deux ateliers très productifs, merci de votre participation très nombreuse. Avec Frédéric Pechnard qui a pu nous rejoindre, il était dans une autre réunion, et Florence et tous les élus ici présents, sous la haute bienveillance de notre directeur général Vincent Roger. Vous êtes tous invités à festoyer, à banqueter. Après avoir bien sûr acheté le livre Notre-Dame de Paris que Héry Routier va vous dédicacer parce qu'il est resté là, et nous nous retrouvons en bas pour continuer nos débats et nos discussions. Merci à toutes et à tous, et bravo pour votre participation.